Een hele goede middag, beste kijkers van Bruce en van Beeks. Téléspectateurs de Bruce et de TIF1. Bienvenue à nos reportages live de la Zinnike Parade. Bonjour, Yasmina. Goeiedag, comme on dit, puisqu'on est bilingue aujourd'hui, à la fois sur les antennes de Bruce et sur les antennes de BX1. Bilingue pour deux heures de fête ici avec les Bruxellois au cœur de Bruxelles pour cette 9e Zinnike Parade avec un grand ami aujourd'hui, le soleil. Inderdaad, dit jaar prachtig. Oui, cette année, le temps est superbe. La seule belle journée de la semaine, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, je pense que le record de la dernière fois va être battu. 90 000 personnes sont passées cette fois-là. Alors, on va tout de suite se diriger vers Muriel, qui est juste à côté de nous, dans la rue des Pierres. Pour le départ, ce sont les permutants. Muriel, est-ce que vous êtes là? Vous avez vu, le coup d'envoi vient d'être donné avec cette Zinode qui était tout près de notre bus, Bruce et VX1. Les permutants, qu'est-ce qui se passe derrière nous en quelques mots? Eh bien voilà, les permutants sont en marche, donc ils sont assez sérieux finalement, ils sont assez conformistes. Et puis il va se passer plein de choses, ils vont péter un câble et ils vont se transformer. Donc de là la permutation. Donc pour ça, il faut suivre le parcours pour découvrir la surprise de leur transformation délirante. Ça y est, c'est le coup d'envoi, pas trop stressé, c'est parti. Un petit peu, mais je vais les rejoindre parce que sinon ils vont être perdus. Allez-y, donc, merci Nathalie. Bonne journée à tout le monde. Voilà, donc ça c'est la première Zinode qu'on découvre, les permutants. Et ça va être comme ça pendant toute cette Zinike Parade. Les choses vont évoluer. Donc les Zinodes vont déambuler sur les boulevards, sur ce piétonnier, et vont nous proposer du spectacle et vont nous proposer des choses différentes au fur et à mesure de leur parcours. Et on vous fera vivre ça évidemment pendant deux heures de l'intérieur. On compte sur vous, Muriel, du spectacle, de la marche aussi. Il va falloir, je sais pas, j'espère que vous avez mis vos bottes de 7 queues, puisque la Zinike Parade, c'est entre, en gros entre la place de Broeker, Fontenas, plus Yasmina, toutes les petites rues aux alentours. Ja, absoluut. Oui, absolument. C'est ici dans le centre que cela se passe. Beaucoup de monde est sur place. Le premier groupe vient de se mettre en route, les permutants. Ce sont des espèces de personnes qui se mutent, qui transforment en animaux. Ils ont déjà démarré leur parcours. C'est très intéressant. Je vois des boîtes, je vois des femmes. C'est une des 24 Zinodes. Donc voilà le nombre de groupes qui vont traverser. C'est un petit peu permutant, finalement. C'est un mot qui pourrait aller à tout le monde, puisque tout le monde change, se maquille, se grime. C'est un petit peu l'ADN de la Zinike Parade, puisque c'est la fête complète, la liberté, avec un thème quand même cette année. Le thème, c'est fragile, Yasmina. Oui, en effet, la fragilité dans tous les sens du terme. C'est là un thème très actuel, cette fragilité. Bruxelles n'a jamais été aussi fragile que ces derniers temps. Mais le fait que nous puissions tous sortir ensemble aujourd'hui, ça démontre notre force. Bruxelles qui était un petit peu fragilisée ces derniers temps, mais le beau temps est de la partie, la fête est de la partie aussi à Bruxelles. Et les Bruxellois sont venus ici pour avant tout faire la fête et suivre cette Zinike Parade qui en est déjà à sa 9e édition. Et c'est pas prêt d'être fini. Non, absolument pas. Jusque 17h, vous pouvez suivre la Zinike Parade sur Bruxelles B1. Et puis vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Bruxelles, sur BX1. Vous y verrez des photos, des tweets. Ou alors, si vous voulez le vivre en live, eh bien, nous sommes ici, près de l'ancienne Belgique, au centre de Bruxelles. Vous pouvez venir. Et aussi, Yasmina, c'est que les Zinodes, ce sont les groupes finalement de chaque groupe. Il y en a 24, chaque groupe est constitué en Zinodes. Eh bien, ces 24 Zinodes partent en même temps de plusieurs endroits différents et finalement se retrouvent sur ce parcours qui est, je vous l'ai dit, entre De Broeker et Fontenas pour avant tout faire la fête. Oui, ils ont vraiment travaillé beaucoup pour être là aujourd'hui. Pendant un an et demi, ces 24 synodes, ces 24 groupes qui sont composés de différentes organisations socioculturelles d'ici à Bruxelles et même de l'extérieur de Bruxelles. Donc des groupes qui se sont réunis tous les jours, parfois la nuit, et qui ont travaillé très dur. Vous verrez le résultat aujourd'hui, soit ici live sur le boulevard Anspa ou sur Bruce BX1. Depuis longtemps, effectivement, ce jour J, ce jour Z aussi, on pourrait dire jour Z comme jour de la Zinike Parade. On l'attendait, on croisait les doigts pour le temps. Et bien maintenant, ça y est, on y est, c'est parti depuis quelques minutes. Muriel l'a dit, les permutants sont déjà en route. Les autres, un petit peu partout autour de ce parcours, sont déjà également en route sur le macadam, sur les pavés bruxellois qu'ils espéraient tant.
Ja, inderdaad. Dus als u wilt weten waar u precies donc, si vous voulez savoir où vous devez vous rendre, eh bien, sur la place de Broeker, qui est ici juste derrière nous. Un autre groupe vient de se mettre en route parce qu'effectivement, les groupes ne parlent pas l'un après l'autre. Les inodes démarrent en fait en même temps de différents points sur le parcours. Il y a quatre phases aussi à la parade. Donc, ce que font les groupes, chaque phase est en fait une petite pièce de théâtre, un spectacle. Et vous pourrez donc bien voir toutes les représentations des différents groupes. Le point central, le boulevard Anspach, mais toutes les petites rues autour. Sur ces images, Yasmina, on les voit ensemble, on les découvre ensemble. Le monde, la foule qui arrive, qui a répondu oui au rendez-vous de la Zinnekeu Parade, une Zinnekeu qui va se prolonger ici au cœur de Bruxelles jusqu'aux alentours, même un petit peu au-delà de 17h pour une grande finale dont on garde le secret, une grande finale qui sera du côté de la Bourse. Oui, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons un reporter ici sur le site près du boulevard Anspach. Margot, où êtes-vous? Je suis un tout petit peu plus loin. Je vois le bus, mais j'ai le dos tourné vers Pontenesse parce que là aussi, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Et vous voyez derrière moi les robots. Donc, ils se basent sur l'histoire des personnes qui ont sillonné les États-Unis au bord de train et d'autres qui n'avaient pas de lieu fixe pour vivre. Eux aussi vont traverser les rues de Bruxelles. Bon, ils n'ont pas l'air très propres. Bon, mais c'est très, très drôle. Vraiment, à la Zinnekeu, des très, très beaux costumes. Bon, ils sont déjà passés une fois par ici. Il y a beaucoup de détails à regarder, à observer. Et c'est le cas pour tous les inodes. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir de tout près et d'observer les détails. Voilà, Yasmina. Merci, Margot. Et puis, vous aurez d'autres informations, d'autres inodes plus tard dans l'après-midi. Bon, nous sommes ici sur notre bus Bruce Bates. Hein. Bon, bus, c'est pas facile. Il y a beaucoup de place encore ici. Donc, si vous voulez passer ici près de notre bus ou sur notre bus, vous aurez vraiment une très belle vue sur les inodes. Et si vous voulez les détails, ne quittez pas Bruce ou BX1. Ce Bruce Bus BX1, je ne sais pas comment l'appeler finalement, parce qu'on est un petit peu en hauteur, hein, Yasmina, et on le voit derrière moi, jusque très très loin. Vous le voyez aussi avec nous, en même temps que nous. D'ailleurs, il y a énormément de monde jusque la place de Broeker, et même au-delà. Et vous le voyez, la foule arrive. La foule finalement est en bras de chemise. On se croirait presque en été, Yasmina. Oui, vraiment. On a l'impression d'une bonne journée d'été bien chaude. On oublierait presque qu'on est à Bruxelles, mais regardez les images. Vous verrez que vous êtes bien, bel et bien à Bruxelles. Et regardez comme notre ville est belle. Si jamais vous deviez entendre quelqu'un dire le contraire, ils n'ont pas raison. Les gens sont dans la rue, nous sommes nombreux. C'est l'imagination aussi. Voilà, vous voyez là des gens qui font un petit peu de musique. On va tout de suite d'ailleurs rejoindre Muriel qui, elle, est au cœur de la Zinnekeu Parade, près d'une Zinode. Muriel, c'est à vous. Oui, David, je suis au cœur de cette Zinnekeu Parade, tout comme le public d'ailleurs qui est là aussi. Ah, je vois, vous voyez qu'il y a de l'ambiance, qu'il y a de la musique ici. Parler de cette Zinode, Margot vous en a parlé, c'est la Zinode Hobos et d'ailleurs on va la laisser passer, donc on va un petit peu se reculer. Merci pour ce petit bout de musique, messieurs, on va laisser passer cette Zinode Hobos, hein, qui incarne un petit peu cette fragilité bancaire, la fragilité économique, et on voit avec beaucoup d'originalité au niveau des costumes. Ah, et je crois que je me fais envahir. Alors voilà, donc dites-moi, monsieur, quel rôle vous jouez, vous? Oui. Donc les hobos apparemment ont aussi un langage un petit peu particulier, et donc c'est ça aussi, hein, la Zinnekeu Parade, c'est un monde poétique, un monde imaginaire, un monde qu'on ne peut pas trop expliquer non plus. Alors il y a pas mal d'explications sur toute... utilisé pendant ces longs mois de préparation.
peu de barrière nadar comparé aux autres années. Donc le public est là, les inoques défilent et puis ça se passe bien. Donc pas besoin de protéger tout ça. On est tous des inoques aujourd'hui. Et il y a une chose qu'il faut avoir avec soi, c'est ça, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la brochure. Dans cette brochure, il y a toutes les explications sur toutes les inodes qui vont défiler pendant 2 heures, les 24 inodes qui nous donnent un petit peu les explications sur les gens qui y participent et puis aussi sur ce que signifient ces tableaux vivants que l'on peut voir. Et donc il y a 25 000 exemplaires de ces brochures qui ont été distribués et moi je crois que ça va m'aider pour vous donner quelques explications et faire vivre cette parade de l'intérieur, David et Yasmine. Voilà, oui, vous en aurez bien besoin Muriel, et puis vous l'avez dit, je vous prends en mot, vous êtes une zineque, donc il va falloir danser et je vous invite vraiment à danser d'ici la fin de cette émission, d'ici la fin de la zineque. Muriel, vous n'avez aucune excuse, en plus j'ai vu que vous avez des petites ballerines, des petites chaussures pour danser. C'est inderdaad goed voorzien om te dansen straks, Muriel, met David. Ce qui est très intéressant, c'est que Muriel a observé qu'il n'y a pas de barrière nadar aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment que le public peut vraiment se mélanger aux inodes et aux inoques. Elle peut participer au théâtre. Vous avez vu des images. C'est vraiment très émouvant. C'est incroyable. Ce qui est important, c'est la brochure. Étant donné que tout est très poétique, les inodes ne parlent pas, ou en tout cas pas une langue qu'on puisse comprendre, ils ont leur langue à eux, il est intéressant de comprendre ce que les différents groupes représentent. Voilà, j'ai la brochure ici. Voilà, 25 000 brochures comme celle-ci sont distribuées au public et vous y trouvez des explications. Et puis, vous aurez un petit souvenir, évidemment, après. La brochure, un souvenir avec les photos. Vous êtes invité à venir des photos. Vous pouvez même venir faire des photos, d'ailleurs, de ce bus Bruse BX5 qui est situé ici en face de l'ancienne Belgique. Mais c'est extrêmement photogénique, hein, ici, cette zineque. Je ne sais pas si vous avez vu, Yasmina, les personnages qui sont en train de passer au pied de ce bus, qui prouve, qui montre toute l'imagination, la force de l'imagination de toutes ces inodes, de tous ces gens qui travaillent depuis des mois dans les ateliers, dans les écoles, dans les quartiers, pour offrir ce qu'il y a de plus beau, de plus festif, avec une thématique quand même, on la rappelle, la thématique fragile, elle va bien avec l'air du temps, mais on essaie de prendre le mot fragile de façon la plus positive possible. Oui, absolument. Et ce qui est si beau à la zineque parade, c'est quand même un des festivals les plus bruxellois. Tout le monde y participe, les jeunes, les vieux, toutes les couleurs, tous les statuts, tout le monde se réunit ici. C'est vraiment extraordinaire. C'est Bruxelles. On va discuter un petit peu de l'historique de la zineque parade parce qu'elle n'est pas nouvelle. Elle a démarré en 2000. Il y avait un monsieur qui était là, il est tout près de nous, qui était déjà là au début. C'est un des presque des pères fondateurs. Peut-être qu'il n'aime pas l'expression. Je lui ai demandé, prenez votre micro, Marcel Reidman, si tu peux lui donner Yasmina. Marcel, bonjour, vous êtes dans le vent, ça va, ne vous envolez pas tout de même. Hein. Non, mais presque. Quel beau jour aujourd'hui. La zineque parade, ça date pas d'hier quand même. Hein. Ça ne date pas du tout d'hier. C'est la 9e parade et donc c'est la... Oui, on existe 16 ans. Donc les 16 ans, on existe depuis ouais. Avant 2000, évidemment, parce que avant 2000, on avait déjà aussi plus qu'un an de préparation. Ah, en bah fait, oui. On existe plus que les 16 ans. Ah, vous êtes très vieux, Marcel Reidman. Vous, pas vous, évidemment. La zineque parade, vous étiez... Je rigole, évidemment, hein, Marcel. Vous n'êtes pas fâché. Non, pas du tout. La zineque parade, c'était donc plus ou moins en 2000 à l'occasion de Bruxelles Capitale culture européenne. C'est bien ça, hein? Ben, Cette occasion-là, Marcel. C'était un des projets phares, disons. Au début, c'était pas tellement parce que les autorités n'y croyaient pas tellement, mais c'est devenu un des projets phares et c'est devenu le seul projet qui est resté et qui a donné à Bruxelles 2000 quand même une espèce de suite. Ouais. Et on espère de faire ça encore, de continuer ça encore longtemps. Ja, Marcel Reidans, voorzitter van de VZW. Marcel Reidans, président de l'ASBL Zineke. Comment vous sentez-vous quand vous regardez votre troupe?
Ik heb uw vraag niet goed verstaan. Je n'ai pas bien compris la question, excusez-moi. Als u naar uw troepen kijkt. Êtes-vous fier quand vous regardez votre troupe, absolument, quand vous voyez vos synodes? Oui, oui, absolument, mais ce ne sont pas mes troupes. Je ne suis qu'un humble volontaire, comme tant d'autres. Et ça fait des années que je participe à ma façon à la création de la parade. La première parade, j'étais responsable du parcours. J'étais impliquée de façon très active cette fois-là. Plus tard, d'une autre façon, comme président, etc. Voilà, et c'est ainsi que ça dure. Les volontaires, je pense que c'est le mot-clé de la journée, non ? Allez Marcel, on va faire une petite pause dans l'historique de la Zineke Parade. On va tout de suite rejoindre dans le présent, Margot, qui est avec Crash. C'est une Zineke qui est bien d'actualité, Margot. Oui, je suis ici au milieu de Crash, en fait. Het is een zinode. En die crash, gaat eigenlijk over de beurscrash van de jaren 30. Er is ook een grote peer die aan het vechten is. Met een stier nog een beetje verder achter. On voit un ours qui se bat avec un taureau. Et puis Françoise, près de moi. Ja, klopt. Onder andere. Oui, je suis trompettiste, entre autres. Comment êtes-vous arrivé dans cette zinode? Je connais ce groupe de musique depuis des années. Je suis costumière, en fait. Et je joue aussi de la musique. Pourquoi avez-vous choisi les plumes? Des vieilles fourrures. En fait, ce sont des termes financiers que nous avons trouvés. Le bear market, le bull market, les requins, les vautours. Nous, on imite les marchés financiers. Donc, vous mimez en fait les personnes qui ont pris notre argent. Je ne vous entends pas bien, excusez-moi. Oui, c'est ça, les personnes qui ont pris notre argent, mais aussi ceux qui ont été floués. En tout cas, c'est très beau, très très beau, vos costumes. Oui, on a accordé beaucoup d'attention aux détails et nous sommes ravis du résultat. Bon, ils vont se mettre à se battre. L'ours, comme vous le voyez, c'est extraordinaire et Margot a raison. Les symboles sont explicites. Un groupe extraordinaire ici à côté de nous et qui crie très fort avec de la musique jazz pour couronner le tout. Ja, en ondertussen staan wij nog altijd aan de bus. Et puis nous sommes toujours waar momenteel de groep voorbij komt au bus, en bij ons staat nog altijd Marcel Rijndans. Pour l'instant. Et nous avons toujours près de nous monsieur Rijndans. Il y a trop de bruit, Yasmina, peut-être. On va leur demander 7 heures. Non, quand même pas. Non. Alors Marcel, qu'est-ce que ça vous inspire, les thématiques qui sont développées aujourd'hui? Là, c'est Crash, on est en plein Wall Street finalement. Oui. Ça, c'est un groupe qui participe depuis la première parade. Ah, vous le connaissez bien, alors? Oui, j'en connais certains. Comment ça se construit, une zinode? Il y a un metteur en scène qui vient? Il y a, un professionnel? En principe, une zinode est composée de trois composantes, en fait. La musique, la chorégraphie et des marionnettes ou des constructions, des chars, des choses comme ça. Et c'est l'ensemble, la mise ensemble de ça. Que forme la zinode et qui est aussi le défi en fait parce que il faut arriver à que ces composantes travaillent ensemble et racontent une histoire et ça c'est oui racontent une histoire en rapport avec le thème évidemment fragile bien sûr ça n'est pas un carnaval au sens strict du terme ici la Zineke Parade c'est plus que ça c'est autre chose la Zineke Parade n'est pas du tout un carnaval c'est une création socio-artistique qui a comme objectif principal c'est que les gens les différentes cultures de Bruxelles se rencontrent apprennent à se connaître et c'est comme ça que il y a des groupes, pour encore une fois dire, de Molenbeek qui travaillent avec des gens
de Gand ou de Uccle ou d'autres endroits. Vous avez cité Molenbeek et autres quartiers. On se dit que ça fait du bien aussi de voir tout ça, particulièrement aujourd'hui où plusieurs quartiers ont été malgré eux stigmatisés. Oui, à un certain moment, on a même réfléchi à faire la parade à Molenbeek. Si on n'était pas autorisé de parader ici, l'idée c'était de le faire éventuellement à Molenbeek. Ah oui, vous y avez pensé. Ouais. Et finalement, vous êtes ici. On va retrouver Muriel qui est dans le cœur évidemment de la Zineke. Muriel, dites-nous tout de suite avec qui vous êtes, s'il vous plaît. Et je suis au milieu du public parce que sans public, il n'y aurait pas de Zineke parade. Hein. On l'a dit, on est tous des Zineke. Aujourd'hui, on va leur demander ce qu'ils en pensent de ce démarrage de la parade. Madame, vous êtes là depuis le début. Qu'est-ce que vous pensez de la Zineke parade? Oh, je suis là depuis 3 heures seulement, donc ça a commencé à 3 heures. Ah ben voilà, j'ai vu un seul groupe et c'était sûrement le plus joli, le meilleur. D'ailleurs, ce sont nos enfants qui jouent dedans, voilà. C'était donc important d'être là aujourd'hui, forcément. Oui, puis depuis plusieurs années, hein, ça fait au moins la 6e fois que j'assiste à la Zineke Parade. Donc je trouve ça magnifique, toutes ces associations. Moi, je travaille avec des enfants handicapés, des adolescents handicapés, et j'en retrouve ici plein les rues qui osent se montrer, qui sortent pour une fois. Il y a des gens d'institutions pour troisième âge. Enfin, il y a vraiment plein de gens, plein de créativité. Je trouve ça très, très chouette. C'était aussi un incontournable pour vous, cette Zineke Parade, madame? Oui, dans la mesure où ma fille participe. Mais je pense aussi que l'important, c'est ce brassage de culture, d'âge, de milieu et d'artistes. Enfin, c'est ça qui fait le charme, quoi. Alors, les enfants, ils n'étaient pas trop stressés ce matin? Non, mais ils sont grands, vous savez. C'est des vieux enfants. Et ça fait des mois qu'ils organisent ça, qu'ils participent, oui. qu'ils répètent. C'est une organisation quand même assez exigeante. Effectivement, j'entends parler du stress depuis quelques mois. Les costumes, la chorégraphie. Je pense qu'ils prennent ça très au sérieux. Ça a l'air très rigolo, et ça l'est, mais... Les gens prennent ça très au sérieux quand même. Oui, c'est un peu l'apogée. Hein. Et on va demander aux garçons là, qui sont derrière. Alors, cette Zineke Parade, c'est chouette, c'est sympa d'être là? C'est bien. On aime bien. C'est chouette. Qu'est-ce que vous avez préféré jusqu'à présent? Là, en fait, on vient d'arriver, donc voilà. Ouais. Vous êtes venu pour voir un spectacle en particulier ou c'est juste pour découvrir? Découvrir plusieurs choses, etc. Ouais. Vous savez ce que c'est? À quoi ça ressemble, la Zineke Parade? C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Donc voilà, il y a beaucoup de costumes et tout ça, c'est ce que vous avez envie de voir aujourd'hui? Oui. Eh bien, on va vous laisser regarder ce spectacle, hein, parce que c'est que le début. Hein. On est parti jusqu'à 17h30 ici, dans les rues du centre, David. Et, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'originalité jusqu'à présent. Dankjewel, Muriel. En we zien jou straks. Merci, Muriel. Et puis on se voit plus tard sur le parcours. À côté de moi, toujours Marcel Reydans, président de l'ASBL Zineke. Je vous félicite parce que vous avez gagné récemment le prix de la culture pour amateurs. Oui, c'est tout à fait le cas. Et cela nous appuie beaucoup, nous encourage beaucoup. On ne s'y attendait pas, mais c'était super. Et pourquoi pensez-vous avoir gagné ce prix? De jury heeft daar een en ander over verteld. Le jury a raconté ou a justifié de diverses façons. En fait, il s'agit de montrer la richesse culturelle de Bruxelles, mais aussi travailler à cette culture bruxelloise. Parce que vivre ensemble à Bruxelles, cela doit s'inventer encore. L'entendre entre les différentes cultures, bon, cela réussit pas mal, mais comme on le sait, il y a encore vraiment du pain sur la planche. Et donc ce prix, cela nous encourage vraiment à poursuivre. Bravo. On va écouter 2 minutes ce bruit fantastique de tambour. On va l'écouter ensemble, il est juste à côté de nous. Ce sont les tambours qui sont là, les tambours de la Canova. On écoute.
voilà les tambours qui sont là, les tambours de la Canova. Et puis ces costumes, Yasmina, regardez ces costumes, ils sont incroyables. C'est le fruit d'un travail évidemment de plusieurs mois avec des costumiers, des artistes, des stylistes aussi. Je suis fort sur les cordes, hein, sur le blanc. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Ce groupe attire notre attention parce qu'il y a toutes ces couleurs dans les rues de Bruxelles. Et puis ici, ce groupe tout blanc, des enfants, des personnes âgées, des jeunes. C'est vraiment impressionnant de les voir passer. Et comme vous le savez, vous pouvez suivre tout cela en direct auprès de Bruce et Bixan. J'ai l'impression, et je vous remercie d'être là, Serge Honoré. Je peux dire monsieur Spirou, où ça vous va? On peut dire que ça comme ça. Allez, on va dire monsieur Spirou. Voilà. C'est les éditions Dupuis et le journal de Spirou. Allez, on va dire sans les deux. Dites-moi, ça me fait penser à des personnages de bande dessinée, tout ce qu'on voit, non? Mais c'est vrai qu'en fait, tout le défilé ressemble à des personnages de bande dessinée parce que ce sont des personnages qui sont ici de temps lointain, de temps présent, du fantastique, de l'héroïque fantasy. Et en plus, ça nous touche beaucoup parce que le journal de Spirou étant un public familial et ouais, populaire, et un mélange aussi de générations, c'est exactement le même sens que la Synagogue Parade. Ouais. Alors, on est ici au cœur de la Synagogue Parade. Vous avez le temps de regarder un petit peu? Vous venez d'arriver? Dites-nous. J'ai arrivé il y a un quart d'heure, donc j'ai eu le temps de voir trois défilés, trois chariots. Et ce qui est formidable, c'est que d'année en année, en fait, les décos sont de plus en plus précises, la direction artistique de plus en plus pointue, les chorégraphies de mieux en mieux faites. En fait, c'est vraiment presque professionnel. Et en plus, Sergio, et on l'a déjà expliqué, Yasmina nous l'a déjà dit, il y a plusieurs phases dans une dinote, il y a quatre moments, il raconte une histoire, il ne suffit pas de défiler comme ça. C'est une histoire, ça pourrait être des cases de bande dessinée, j'y reviens. Bah, c'est vrai, alors chaque médium a sa propre grammaire et celle du défilé a sa propre grammaire aussi, puisqu'il s'agit tout le temps d'être en représentation. Alors effectivement, ça pourrait être, soit le défilé pourrait être l'adaptation d'une bande dessinée, soit la bande dessinée pourrait être adaptée du défilé. Ja, ik stel voor dat we even samen nog gaan kijken. D'aller voir ensemble le groupe qui passe le long du bus. Mais ils sont surtout très beaux. Oui, ils sont très beaux. Même de dos. Ja, en ze vallen ook op, hè. On ne peut pas ne pas les voir. C'est un groupe très visible. Alors, nous sommes ici au milieu des synodes et du public. Margot, où êtes-vous? J'espère que vous m'entendrez parce que Babelistik passe ici tout près de moi. Synode qui passe près des pyramides. Pas sur le boulevard Ansbach, mais dans les petites rues parallèles. Avec tous les enfants que vous voyez ici près de moi, ils vont construire donc des pyramides comme on fait souvent en Espagne. Ils vont même demander au public de participer à la base de la pyramide. Et donc, le public dans les petites rues parallèles auront de quoi s'occuper. Babelistik, la tour de Babel. Alors, le cœur hein, de la Synagogue Parade qui est toujours de plus en plus ensoleillé, j'ai l'impression, Yasmina, regardez-moi ces reflets sur ces superbes costumes. On vient de voir la Canova, mais on peut parler finalement de toutes les synodes parce qu'elles se valent toutes. D'ailleurs, ce n'est pas un concours ici, ce n'est pas un concours de beauté ni rien. Tout le monde a gagné. Absolument, so is it. Oui, tout le monde a gagné, ce n'est pas un concours. Tout qui est venu ici a déjà gagné parce que s'occuper pendant un an et demi pour produire ce résultat-là, cela me donne vraiment la chair de poule. Bon. Je peux vous dire que nous avons ici un hôte tout particulier avec une enveloppe dorée. Cette enveloppe, c'est le mystère. Il va y avoir des thèmes pour les prochaines Synagogue Parade parce que tous les gens qui défilent ici au pied de ce bus Bruce DX1 n'ont pas l'intention d'en rester là, d'en finir avec cette année. Ça n'a aucun sens, évidemment. C'est une biennale, elle va continuer. On va parler bientôt du 10e anniversaire et puis il y aura les autres. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, les thèmes sont déjà avancés. Il y aura 4 ou 5 thèmes, je crois que c'est 4 thèmes, 5 thèmes et les gens vont devoir, on va vous les dévoiler tout à l'heure, les gens pourront choisir. Les gens, c'est vous, hein, les téléspectateurs, à la fois de BX1 et de vous. Et ils vont devoir choisir ces thèmes, mais on vous en dira un petit peu plus à la fin de cette émission. On va écouter, tiens, non peut-être. Oui, on va ondertussen luisteren, want de boule is bijna aan het ontploffen. Effectivement, il y a un bruit ici qu'on ne peut ignorer plus longtemps. Nous allons regarder et écouter. Thank you.
Alors, Muriel est encore et toujours et jusqu'à 17h et même peut-être au-delà dans la foule pour BX1 et Bruges. Muriel, dites-nous tout de suite avec qui vous êtes. Et je vais vous expliquer en fait ce qui vient de se passer, ce qu'on vient de voir sur antenne. C'est cette idée de babelistique qui est inspirée en fait du mythe de la tour de Babel. Et vous avez vu qu'ils ont créé cette pyramide humaine, hein, donc le mythe de la tour de Babel que l'homme tente d'atteindre les cieux. Et l'intérêt en fait aussi de cette idée, c'est qu'ils demandent la participation des gens du public qui les aident à maintenir cette pyramide, à jouer la base et à maintenir cette pyramide de sorte à ce qu'elle reste en équilibre et pouvoir atteindre le plus haut possible les cieux. Donc voilà, ça c'est un petit peu le thème de cette synode qui aussi dit-on entre équilibre et déséquilibre, entre bruit et silence. Et donc là on est évidemment dans la partie bruit avec les tambours. D'ailleurs, je suis sourde ici au milieu de cette synode, mais il y a une ambiance du tonnerre. Muriel qui devient sourd, j'espère pas pour très longtemps, on a besoin de vous encore pour animer cette zineque et même au-delà, bien sûr. Muriel, donc vous êtes sourd, ça ne vous empêchera pas de danser avant la fin de l'émission, n'est-ce pas? Ja, inderdaad, et toch nog even meegeven, dat straks zei ik al heel veel. Oui, je voulais vous donner encore cette information. Les organisations donc collaborent pour créer une synode. Et celle-ci, babelistique, provenant d'un foyer. Vous perdez votre. Oui, Centre Ouest, avec le vent, je perds mes oreillettes. Bon, c'est extraordinaire de pouvoir rassembler ainsi des personnes de différents horizons, des artistes, des jeunes, des vieux, des personnes de Bruxelles, mais également de l'extérieur et même de l'étranger, qui est ici à Bruxelles. Margot. Achter mij kan je de hopbox zien. Het is derrière moi, hopbox. C'est très mystérieux ce qui se passe ici. Une boîte qui parfois s'ouvre. Je pense qu'il y a un orgue à l'intérieur. L'orgue qui est rempli d'air. Et quand il y a suffisamment d'air dans le réservoir, la boîte s'ouvre et il se passe alors quelque chose de magique. Mais attendons voir. Elle va sûrement s'ouvrir à un moment ou un autre. Mais cela m'intrigue, cette grande boîte noire et une synode très tranquille. Comme vous voyez ici, beaucoup moins de bruit. Donc, Margot est intriguée par cette boîte noire. Et nous sommes intrigués par l'enveloppe dorée que M. Klaas tient dans ses mains. Dans cette enveloppe, cinq thèmes. Parmi lesquels tout le monde peut choisir le thème pour la biennale suivante, le thème pour 2018. Je peux lire comme ça. C'est de voir à travers, ça ne marche pas. Je kan er niet in zien, hè. Maar weet je wat er in die vijf thema's... On ne voit rien, mais vous savez vous quels sont les cinq thèmes dans l'enveloppe? La tentation était grande, hein. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu, un indice? Autre chose dedans, tu vois, des thèmes die mij zouden aanstaan, maar ik weet het niet. Peut-être, mais non, je ne sais pas si c'est un secret. Yasmina aura essayé quand même, hein. Oui, moi aussi, je... Wanneer mogen we die... Et quand peut-on l'ouvrir? Et après qu'on a le temps pour aller aux urnes pour voter. Voilà. Donc tout le monde peut voter tantôt à 5h ou peut-être un peu après. Nous allons communiquer ce qu'il est écrit dans l'enveloppe. Et puis vous pourrez voter pour un des cinq thèmes. Et le thème qui sera élu sera le thème de 2018, qui sera le 10e anniversaire. Le 10e anniversaire de la Zineke Parade. 10 déjà. Félicité. Thank you.
D'accord. Alors, ce qu'il faut signaler aussi, Yasmina, c'est qu'on peut voter par Internet. Les gens qui nous regardent regardent nos chaînes sur la télévision, sur leur vieux poste de télévision, si je puis dire, mais il y a également Internet. Bien sûr, nous avons des sites à la fois chez Bruce et à la fois chez BX100, et vous pourrez voter pour ces 5 thèmes dès qu'ils seront sur les sites. Vous aurez, on va dire aux alentours de 17h, vous aurez l'occasion de voter, non seulement l'occasion, mais presque l'obligation de voter pour les prochains thèmes, pour le prochain thème de la Zinneke Parade. Je vous vois regarder dans cette direction. Que se passe-t-il? Je vois là des hommes noirs et bleus. Des hommes bleus, c'est ça? Et un peu noir. Et un peu noir, oui. Dat is misschien met het kampioenschap van Brugge of zo. Peut-être lié au championnat de Bruges. Non, football. Ce sont les champions de Belgique, oui, voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que c'est de nouveau l'imagination, c'est de nouveau, c'est Hardscore. Hein. C'est pas toujours facile à prononcer, d'ailleurs, tous ces noms, il y a des noms compliqués. Ja, maar die Hardscore, ik heb je laten vertellen, dat staat voor Hars en Schor. C'est la contraction de Hars et de Schor. Donc l'arbre en fait, hein, parce que c'est la l'écorce. Parce que si vous parlez des hommes bleus et noirs qui sont derrière moi et que vous voyez sur cette petite photo, vous verrez qu'il s'agit de Hop Box. Et ce sont donc des personnages mystérieux et silencieux, mais qui ont quelque chose à cacher. Et ce qu'ils cachent se trouve derrière dans cette boîte noire qui semble être une boîte noire tout à fait insignifiante, sauf au moment où elle s'ouvre. Et elle devrait s'ouvrir en approchant d'ici, et vous verrez ce qu'elle cache. Et ça va être du coup quelque chose de beaucoup plus original et beaucoup plus poétique. Et j'ai Anton à mes côtés qui m'a rejointe. Anton, bonjour, on peut dire que c'est un peu le métallo de cette Zinneke Parade. Oui, donc nous organisons une formation à la Zinneke tous les 2 ans, où on accueille 16 élèves qui vont réaliser à la fin de la formation toutes les structures en métal pour la parade. Donc c'est grâce à vous qu'il y a autant de chars sur la parade ? Surtout grâce aux élèves, mais j'ai été là pour les accompagner et les former. Est-ce qu'il y en a beaucoup cette année ? On a plus de 40 structures fabriquées par l'atelier, oui. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de boulot ? Ça fait énormément de travail, effectivement, mais tout s'est très bien passé. Je crois que les nuits dernières là, qui viennent de passer, vous étiez encore occupé à faire les dernières soudures. On a eu très peu d'heures de sommeil ces dernières semaines, mais tout est en place et on est super contents. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui se cache dans cette boîte qui s'ouvre là maintenant ? On voit que les portes s'ouvrent. Alors dans cette boîte, il y a tout un mécanisme de son. C'est une grande boîte à musique. Donc toute la partie métal a été réalisée par la formation. Et ce qui s'est trouvé à l'intérieur, ce sont des artistes qui sont venus se greffer dessus. Donc en fait, c'est une machine à air. Vous allez voir, je vais vous laisser regarder avec la caméra. C'est une machine à air. Et donc elle se remplit. Et puis forcément, après, ça devient une sorte d'instrument de musique un petit peu particulier. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on découvre de temps en temps le long de cette parade. Par moments, la boîte est fermée. Et puis le public ne sait pas ce qui s'y passe. Et à certains moments, elle s'ouvre. Et c'est un petit peu ça aussi, la magie de la Zinneke Parade. Ce sont des choses qui se passent à certains moments quand on a la chance d'être au bon endroit sur le parcours. Donc c'est pour ça que chacun vit sa parade de manière très personnelle. Anton, vous êtes content de la manière dont ça se passe ? Très, c'est vraiment super. Ouais. Ils ont bien travaillé ? Très très bien, vraiment. Je suis très fier d'eux et du travail qu'on a réalisé. Il y a eu beaucoup d'originalité, beaucoup d'idées ? Beaucoup, de la part des élèves et des artistes qui ont passé les commandes. Et c'était vraiment formidable. Ouais. Voilà, donc vous voyez, donc effectivement, merci Antonin, beaucoup d'originalité et parfois aussi réfléchir à comment faire tenir tout ça, faire tenir tous ces chars et faire en sorte qu'ils fonctionnent et qu'ils nous donnent toute cette poésie, David. Ouais. En naast mij staat ondertussen mijn favoriete styliste près de moi, van Brussel, ma styliste favorite de Bruxelles, Lina van Wassenbergen. C'est une jolie présentation, effectivement. Ah non, mais elle est vraiment elle super. Est flatteuse. Vous aussi, mais je la connais mieux. Bon, ben, je m'en vais, alors. Non, tu peux rester. Tout le monde est le bienvenu à Bruxelles. Voilà, hier op de Zinneke Parade, iedereen welkom. Ici, sur la Zinneke Parade, tout le monde est bienvenu. Alors, Linda, nous voulons savoir, c'est difficile de réaliser ces costumes ? Oui, bien sûr, c'est difficile. Mais je pense surtout aussi que c'est très, très amusant. C'est tellement
vraiment confectionné avec des briques et des braques. Et avec cela, ils font des choses extraordinaires. Quand on voit ce qui a été utilisé, on se demande comment c'est possible de faire de si beaux costumes. Quelle créativité. Mais difficile, oui, c'est difficile, mais c'est surtout gay. Y a-t-il des choses qui t'ont frappé il y a longtemps que tu es arrivée? Bon, j'ai vu la répétition hier soir, parce qu'elle passe toujours dans ma rue, la répétition. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de fumée. Ils se sont bien amusés hier. Donc, faire des nuages, produire de la fumée pour faire encore plus vrai. Et alors, tous ces costumes, c'est tellement émouvant. C'est merveilleux. Et je ne vais pas en citer un plutôt qu'un autre. Ils sont tous extraordinaires. Et ça ne te donne pas envie de te lancer pour la prochaine édition? Ah non, non, c'est surtout le travail communautaire qui est extraordinaire. C'est merveilleux parce qu'ils peuvent s'amuser pendant des mois et des mois d'une façon extraordinaire. Et une fois qu'on peut découper dans les vêtements, oui, voilà, dans les pantalons, ça. Dans les mais chemises, oui, on peut. Au fait, tout est permis. C'est ça qui est chouette. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. Tout est possible avec n'importe quoi. Vous avez vu plusieurs costumes passer. Oui, quel est oui, celui oui. Qui vous a le mais plus frappé, c'est ce par que exemple. Yasmina me disait et moi je suis émue parce que tout le monde a vraiment mis son âme et tout ce qu'ils pouvaient faire et leur créativité. Donc je ne veux pas, par non, principe, en choisir un parce que je trouve que tout le monde est merveilleux et c'est d'une créativité que on trouve nulle part ailleurs. En plus, avec des moyens, quand même. Il n'y a pas de moyens à part la créativité. Peu quoi. De moyens, beaucoup oui. De créativité, mais surtout... Et ils s'amusent, on le voit. Moi, je suis ravie de voir ça. C'est horrible, hein, mais c'est merveilleux. Alors, on voit par exemple ces petits lutins, là, juste oui, à côté voilà. Du bus, qui rentrent. Mais là, ce n'est pas un très bon exemple. Ah bon. Je oui, ne veux ah bon, pas vous interrompre, parce que vous voyez quand même que c'est simple. Oui, enfin, simple, c'est vous qui dites. Oui, oui, c'est bien, mais ça, c'est pas un bel exemple d'une gigantesque créativité. Bon. Okay, mais c'est Linda, tout beau, c'est esthétique. Ok, mais ce qu'ils ont sur leur tête, Linda, mais ce qu'ils ont là sur la tête, c'est quand même très particulier. Non. C'est pas simple, ça. Et comment est-ce qu'on a des idées pareilles? Des dessins animés, des films d'horreur, de se kijken naar, denk, allemaal stripverhalen, griezelfilms. Mais voilà, qui regarde des films d'horreur, des dessins animés. Mais n'oubliez pas, les enfants ont vraiment beaucoup, beaucoup d'imagination, les enfants de tout cela. Bon, que penses-tu du thème fragile? Quel beau thème, c'est poétique. Un thème facile aussi parce qu'il offre beaucoup de possibilités. Et puis, symboliquement, aujourd'hui, c'est extraordinaire, il y a du soleil, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est empli de la volonté de construire à nouveau. Et cette fragilité, c'est notre force. Est-ce que ça t'encourage de voir la parade aujourd'hui, tout ce monde? Oui. Combinaison avec le marathon jazz. Oui, oui, j'ai vraiment une émotion de... On ne va pas se laisser faire, les petits, les grands. C'est vraiment une belle ambiance. Linda, zo erg bedankt om langs te komen. Als je wil, je hebt hier een goed zicht van voilà, de bus. Merci beaucoup, dus Linda. Bon, on est très bien ici. Ah, on est très très bien placé. Voilà. On est très bien placé aussi devant son téléviseur, devant et alors surtout sur les grands boulevards du centre-ville. Alors, mais ce qui oui, se passe, ce qui se passe est absolument extraordinaire. Oui, Yasmina, franchement, Linda, regardez un petit peu. Mais on est unique à Bruxelles, on le sait. Oui. Ja, zo is dat. Et il faut le répéter. Ah, peut-être bye. Aujourd'hui plus que jamais. Muriel, d'ailleurs, va nous décrire un petit peu ce qui se passe au ras du sol, si je puis dire, au ras du boulevard. Muriel, où êtes-vous? Et vous avez bien raison de le dire, au ras du sol. C'est vrai que vous avez une belle vue d'en haut. Nous, on est dedans, on vit cette Zinnekeparade.
Et pourquoi au ras du sol? Parce que ce que vous venez de voir, là, vous en avez un petit peu parlé, c'est blop, prup, truc. Et donc, je suppose, David, Yasmina, elle le sait, que vous savez ce que veut dire blop en néerlandais. Eh bien, ça veut dire chenille. Et donc, c'est vrai que ça exprime bien la fragilité. Mais bon, on n'est pas toujours fragile, celui qu'on croit, puisque cette chenille, par moment, attaque le public. Et donc, finalement, c'est le public qui devient fragile dans cette Zinnöke parade. D'ailleurs, je vais voir s'il y a quelques personnes qui veulent bien me dire ce qu'ils pensent de cette Zinnöke parade. Monsieur, je vois que vous prenez des photos avec votre téléphone. Vous voulez garder des souvenirs de cette Zinnöke parade? I don't understand. Donc, monsieur, apparemment, veut des photos, mais il préfère ne pas parler. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il pense de cette Zinnöke parade? Ça vous plaît? Oui, c'est très bien. C'est très drôle ici, dans les parrains. Merci. Vous venez d'où? Je suis Colombie, de la Colombie. Ouais. C'est un visiteur ici en Belgique. Donc, c'est la première fois que vous découvrez ce spectacle? Oui, c'est la première fois que j'ai visité ici. Donc, quelque chose de bien belge, là, hein? Oui, c'est très fantastique. Mais il y a beaucoup de choses pour faire aussi à Bruxelles. C'est surtout les spectacles sur la route. Merci. Alors que je me fais attaquer par des petits lutins de toutes les couleurs. Donc, c'est vrai que c'est un spectacle interactif ici, hein? Bon, je ne sais pas si je vais terminer l'émission, David. Et je donne la parole à Margot. Ik sta hier bij Sig. Met wie ben jij? Je ziet hier de Sig. Sorry, Sig. Ja, soms is er zoveel lawaai dat ik het niet goed had verstaan. Met wie ben jij hier? Avec qui es-tu venu? Mon papa. Met jouw vader. En wie zijn die twee mooie dames hier langs jou? Les deux jolies dames. De vriendin van mijn vader. C'est l'ami de mon papa. En wat vind jij van de Zinnöke parade? Que trouves-tu de la Zinnöke parade? Ik vind dat altijd wel leuk om te zien. Moi, je trouve que c'est chaque fois merveilleux. Iets anders dan een normale parade. C'est différent d'une parade ordinaire. Ik hou eigenlijk vooral van de abstractheid. Moi, j'aime bien l'aspect abstract. Woord, zeg. Zou je zelf ook graag willen meedoen? Le côté abstrait. Tu aimerais participer? Je ne sais pas. Wat zo van die plastieke flessen op mijn hoofd zetten, dat lijkt me wel eens leuk een keer. Oui, mettre des bouteilles en plastique comme ça sur la tête, ça peut être drôle, non, une fois tous les deux ans. Qui sait, un jour peut-être. Est-ce que tu es vaker komen kijken naar de Zinnöke parade? Es-tu déjà venu plusieurs fois? Un paar keer geweest. Oui, je suis venue plusieurs fois déjà. Ja. Donc tu connais bien. Ja, oui, on peut dire ça. Pour moi, c'est la première fois, hein? Wat lief? Ja, oui, c'est la première fois. Et pour vous, madame, c'est la première fois? Oui, la première fois. Et je suis touchée surtout par la spontanéité et l'enthousiasme. Je suis venue d'Anvers tout exprès. Je suis ravie. Qu'est-ce que vous avez vu de plus beau? Ce groupe-ci, j'aime beaucoup. Et le dragon aussi. Le dragon qui était attaqué. Oui, ils viennent de tous les côtés. Mais tous les inodes sont vraiment spontanés, sont extraordinaires. Donc vous allez revenir, oui, dans deux ans. Et ce soir, nous connaîtrons le thème pour 2018. Tout va bien, Margot. Alors, on vient de voir une dame qui vient d'Anvers. Il y a des gens qui viennent de Bruxelles, de Wallonie, de Flandre. Ça fait plaisir à voir. Tous ces gens sont dans le cœur. Regardez un petit peu derrière nous, Yasmina, ce qui se passe. C'est incroyable, cette foule. C'est du bonheur. Il y a le soleil qui est là, il y a les ballons qui luisent. Et puis, il y a tous ces cortèges qui sont à la fois sur le boulevard entre la place de Brouckère et la place Fontena. C'est un petit peu, on se situe d'ailleurs plus ou moins au milieu, hein, à deux pas de la bourse. Et puis, ces cortèges vont dans toutes les rues avoisinantes pour inonder de leur fête, de leur fantaisie, toutes ces rues. Tussen, wij zitten hier op de bus, dat staat de ancienne Belgique, dus ongeveer in het midden van het parcours, tussen Belgique, het Brouckereplein en het Fontenasseplein. En daar komt plots een nieuwe groep, Hobos, en zij maken blijkbaar met flesjes een soort van orgel. Dus ik stel voor dat we daar eens naar gaan luisteren. Ils produisent une espèce d'orgue. Nous allons écouter. Et
regardez-moi ce cortège Yasmina qui passe juste ici au pied du bus Bruse BX1. Ils sont tous de bleu vêtus et ces bouteilles en plastique assez étonnantes. On voit vraiment toute la créativité, toute la fantaisie qui est mise à l'œuvre ici. C'est un beau résultat. Beaucoup de gens très jeunes aussi. Ja, absoluut. Heel veel jongeren, want bij die 24 synodes is toch wel het sleutelwoord jongeren. Aangevuld met oudere mensen, met begeleiders, met dans les différentes synodes, vraiment la jeunesse est à l'honneur. Et tout cela accompagné d'adultes, d'artistes, etc. Mais ici, un très jeune groupe, donc. Et l'orgue qui a été réalisé avec des bouteilles vides, des grandes bouteilles de 2 litres. Et parfois, ils les ont même remplies de terreau. Quelle bonne idée pour votre balcon. Et on parlait de récupération tout à l'heure avec Linda qui nous a fait la gentillesse de venir dire bonjour. Ah bien là, on est en plein dedans. Hein. Regardez ce décor de bouteilles en plastique. Je crois que Muriel d'ailleurs est tout près. Muriel, si vous n'êtes ni sourde, ni estropié, ni mangé par une grenouille ou les limaces de tout à l'heure, parlez-nous s'il vous plaît. Jetez encore le coup et la zinote que l'on voit derrière moi, c'est re. Et d'ailleurs monsieur, vous allez m'expliquer directement de quoi s'agit-il ici. C'est renaître, reconstruire à partir d'éléments récupérés, voilà, c'est renaître. Et ça a été fait avec des bouteilles de plastique ? Des bouteilles de plastique avec plein de produits de récupération, des bidons de 5 litres d'eau, plein de choses. Beaucoup de bénévoles qui ont travaillé pour construire les costumes, toutes les bouteilles, le char que vous voyez là. Et voilà, on est en route. Et c'est vrai que c'est assez incroyable parce que de loin, on a l'impression d'un tissu, on a l'impression de fleurs et quand on est tout près, c'est du plastique. Voilà, c'est du plastique, mais c'est pour dire qu'il y a toujours moyen de récupérer, il y a toujours moyen de faire du bien à la planète en ne jetant pas n'importe quoi, mais en faisant de la récupération, c'est un peu le message. Et puis c'est aussi renaître à la vie, hein, après tout ce qu'on a vécu, ben, donc on tombe bien là, à ce niveau-là avec cette thématique-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des académies de musique qui ont participé à cette zinode ? Alors là, on est deux académies, plus une école avec des enfants autistes et avec plein d'autres écoles encore. Les académies de Dorgem et d'Etterbeek, des cours de rythme, des cours de formation musicale, la fanfare de Babelouz, d'Etterbeek. Voilà, plein de collaborations. Et beaucoup de monde. Merci, monsieur. Je crois qu'on va laisser votre zinode avancer. Aussi, donc, comme ré, parce que ré est évidemment une note de musique. Et vous le savez, le langage de la musique est universel. Et c'est ce qu'ils ont voulu aussi faire passer là-dedans, puisqu'il y a des académies qui sont francophones et des académies néerlandophones qui sont dans le même bâtiment, mais qui ont rarement l'occasion de travailler ensemble et de parler ensemble. Et finalement, ce langage de la musique est un langage universel. Alors que tout le monde, tous les enfants nous saluent, ils ont l'air ultra contents. Tout se passe bien, t'es contente ? Tous ces enfants, évidemment, jouent des personnages. Hein, et donc, il ne faut pas trop les gêner dans leur spectacle. Chaque zinode est un spectacle en soi, hein, David et Yasmina. C'est vraiment comme si on voyait des petites pièces de théâtre, 24 pièces de théâtre différentes. Dankjewel, Muriel Hobox. Dat is de groep waar Muriel daarnet stond. Muriel Hobox, le groupe Muriel, était tantôt un des 24 synodes qui traversaient les rues de Bruxelles pour la Zinnige Parade 2016. J'ai ici près de moi Gerrit Six, journaliste, enseignant, mais surtout bruxellois. Enchanté. Vous êtes bruxellois. Ce n'est probablement pas votre première parade. Je dois être honnête, j'ai vu la toute première et certaines intermédiaires aussi, mais si je suis venue aujourd'hui, c'est parce qu'il est important d'être dans la rue. Il faut reconquérir la rue qui nous a été un peu enlevée. Vous avez vu la première Zinnige Parade, est-ce que les choses ont beaucoup changé ? Non, la recette de base reste la même. Il faut se préparer, il faut avoir un char sur roues, sur des petites roues difficiles à faire passer dans les rues de Bruxelles. Et le soir, on rentre épuisé mais heureux. C'est ça la recette. Vous avez sur la table de dessin
La conception est magnifique, on imagine la pluie aussi, donc des tenues en plastique de la tête aux pieds, on prévoit le vent aussi. Et puis, finalement, la situation est extraordinaire, donc les draps aussi qui volent au vent, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette usine, que particulièrement cette année peut-être, symboliquement ? Symboliquement, je l'ai dit en néerlandais, mais je le répète. Vous pouvez dire autrement. Non. C'est qu'on doit regagner l'espace public. Oui. On doit ne pas avoir peur. Ce n'est pas une marche d'organiser une marche, mais d'être présent sur les terrasses, dans les cinémas, dans les théâtres. Mais c'est difficile Oui. C'est difficile de ne pas avoir peur quand même aujourd'hui, non ? C'est difficile de ne pas y penser. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens se lâchent un petit peu quand même. Absolument. On avait besoin de ça ? Absolument. On a besoin de ça, de cet état naturel, de s'en sentir à l'aise. Je suis chez moi. Je suis à Bruxelles, ik ben in Brussel. De donner exprès ce sentiment de s'approprier l'espace public qui est à nous. Et souvent, on nettoie son trottoir, tout met dans le caniveau, et puis là, c'est l'État, c'est oui, pas nous. C'est vrai. Mais c'est vrai. On nous a enlevé trop de vie publique, d'espace, il faut le regagner, et c'est aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, jusque dans 3 semaines en France, on va y aller. On va retrouver la joie, la fierté. Ouais. Bah, regardez derrière nous, il suffit de se retourner. Hein. C'est impressionnant. On n'avait plus vu ça. On n'avait plus vu ça depuis longtemps. Énormément de gens qui sont dans la rue, qui se réapproprient effectivement leur espace, parce que on est tous bruxellois. On est chez nous. Je dis, on voit l'enthousiasme, ouais. Et c'est en néerlandais aandoenlijk. Je ne trouve pas le mot. C'est ça fait pleurer. Oui, allez, on va pas pleurer. C'est très émouvant. Non, oui. Émouvant, voilà. C'est vrai, c'est émouvant. Ja, en ondertussen gaan we misschien nog eens kijken naar beelden van de vele synodes die hier vandaag passeren. 24 les quelques images encore, 24 synodes donc pour être précise. Je vois encore des personnages en blanc avec des banderoles de couleurs. Est-ce que quelque chose vous a frappé aujourd'hui que vous n'aviez jamais vu? Non, c'est la bonne vieille recette. Mais je nous vois plus joyeux que jamais auparavant. Oui, c'est étonnant. On aurait pu imaginer un peu d'abattement. Comment dire? Oui. C'est Bruxelles. Yeah, oui, typiquement. C'est du bruxellois et ces images doivent faire le tour de la planète. Ja, absoluut. Voilà. Dit moeten we zoveel mogelijk delen. TV oui, c'est vrai. Natuurlijk. Nous devons diffuser ces images. Grâce à Bruce. Vous êtes Bruce maintenant. Hein, et Bruce de base. Oui. Comment? Mais elles peuvent faire le tour de la planète puisque nous sommes sur le net. Hein, j'en profite pour absolument. Le dire. Voilà. Nous avons des sites en dames en heren, als u vandaag nog langskomt naar hier, Ansparklaan tussen het Fontanansplein en het De Broekeijerplein. Neem foto's, twitter ze. Yes. Hashtag Bruce. Prenez des photos et envoyez-les à Bruce et à BX1. Après, nous ferons circuler vos images. Margot, cette fois, nous attend. Margot. Ja, ik ben hier net al bijna omver gerold door een kooi. Oui, heel bijzonder. Me faire écraser par une cage. Et qui roule. Bienvenue à bord. Voilà le nom de la synode. Que faites-vous? Kijk, daar is iemand die mij misschien kan helpen. Zeg, Bart, wat is dat? Bart, c'est quoi ceci? C'est Mickey, je vous présente Mickey. Wat is er met Mickey? Hij is precies niet zo gelukkig, hè? Mais c'est quoi le problème de Mickey? Mickey cherche un monde meilleur. Donc nous sommes un synode d'Uccle. C'est la première fois qu'Uccle participe à la Zineke Parade. Et pour un certain nombre de mois, nous avons créé un synode. Quelques mois seulement, oui, nous avons démarré en janvier. Le résultat est extraordinaire, vous êtes très nombreux. Vous êtes déjà allé vous-même dans cette cage? Non, c'est la cage de Mickey. Et tantôt, nous allons le libérer. Attention, le revoilà. Qu'est-ce que tu dis, Mickey? Qu'est-ce que tu dis? Bruce! 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 Bruce!
Ok, David, on verra si elle va être libérée plus tard. Bah, on l'espère tout de même, parce que c'est un risque quand même que prennent les journalistes à la fois de Bruce et de BX. On a vu Muriel tout à l'heure qui a failli se faire manger par une limace, et puis là, Margot qui, va se retrouver enfermée. Ce qu'on peut dire, c'est que cette Zinot parlait de carnaval, puisqu'on parlait de carnaval tout à l'heure avec le journaliste qui nous a rejoint. Eh bien, ici, c'est le carnaval de Binche. C'est une allusion au carnaval de Binche. Finalement, c'est la fête partout. Ja, absoluut. Maar de maskers zijn dus gebaseerd inderdaad oui, op die c'est van vrai. Gilles de Binche. Masques sont inspirés. En dat komt dan terug ook naar dat des thème masques van dit jaar, Gilles de Binche. Voilà pourquoi Infragile, qui rappelle straks aussi le thème de cette année, Fragile. Wat de vijf thema's zijn. Et puis, tantôt, rappelez-vous, nous devons choisir le thème pour 2018. Alors, si vous voulez participer au vote, mais vous ne souhaitez pas sortir de chez vous aujourd'hui, pas de problème, via BX1 et Bruce. Sous nos pieds, si je puis dire, sous le bus, à côté du bus, cet homme dans cette cage, c'est de nouveau cette imagination décuplée par ces zinotes qui sont, je trouve, particulièrement de qualité cette année, particulièrement incroyable, particulièrement inventive. C'est peut-être parce qu'on a envie justement de plus que jamais de faire la fête, de se rassembler comme on vient d'en parler, de se réapproprier la ville. J'ai l'impression qu'on le sent encore plus que les autres années. Il y a quelque chose d'assez fantastique dans ce qui se passe ici, Yasmina. Ja, en wat ook fantastisch is, we hebben het oui, al vaak gezegd, hoe divers al die groepen zijn. Plusieurs reprises, c'est la diversité de ces groupes. Ici, Infragile, vous voyez beaucoup de jeunes demandeurs d'asile. Et puis une organisation qui s'occupe de jeunes qui ont la vie un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, tout le monde oublie ces tracas et tout le monde défile ensemble. Le thème, la fragilité, bien sûr, est un thème grave, on le sait, les sujets abordés sont des sujets de société qui peuvent faire réfléchir et finalement on se rend compte qu'on peut faire réfléchir à travers la culture est plus que jamais importante et c'est un bon vecteur aussi parce qu'elle parle à tout le monde. Il faut rappeler aussi que la Zinoque Parade ce sont des gestuels, ce sont des danses, c'est de la musique, c'est des costumes, c'est finalement pas tellement de paroles, il n'y a que nous qui parlons finalement ici, hein. On va peut-être se taire un moment, mais c'est accessible à tout le monde peut comprendre facilement ce qui se passe sous nos yeux. Ja, absolument. Dat is ook echt de bedoeling van de organisatie oui, absolument. Van de Zinneke Parade. Cela, dat is l'objectif des organisateurs. Dus ils veulent impliquer tout le monde, pas seulement les Bruxellois, mais également des personnes qui sont ici de passage, des demandeurs d'asile, des expatriés. Tout le monde doit participer, c'est ça l'objectif et c'est ça Bruxelles. Tous les groupes de population sont concernés. Et alors il y a toujours la musique qui est présente. Regardez, on voit les accordéons là pour l'instant qui passent près de nous. Ils vont sans doute se mettre à jouer. La musique est très présente. Elle fait partie intrinsèquement, évidemment, de la fête. Il y a les costumes, il y a la musique. Il y a, vous voyez, on entend pour l'instant, je ne sais pas si vous l'entendez, un saxophone. Et le public est là aussi. Le public est nombreux et il n'est pas passif, quoi. On sent qu'il se balance d'un pied sur l'autre et qu'on est au cœur de la fête. On est plus ou moins maintenant, on va dire, allez, à la mi-temps quasi. Hein. Il est 16h, il est 4h. Vire-hur, hein, c'est comme ça qu'on dit. Yeah, voilà. Good show, David. Merci, je progresse. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va écouter un peu de musique comme tout à l'heure. Et puis un très good idée. Allez, on écoute.
sont des images exceptionnelles qui se déroulent ici sous nos yeux. Yasmina, des costumes, une fantaisie, une créativité assez incroyable. Des couleurs aussi, regardez-moi ces pulls rayés qui nous rappellent les vacances. Il faut dire qu'il y a un air de vacances, on se croirait en juillet pour l'instant. Vous n'êtes pas chaud, Yasmina, avec ce petit gilet sur vous? Goed geprobeerd. Non, je ne vais pas enlever, David. D'accord, ben on va attendre. Hey, maar ondertussen hebben we een nieuwe gast, Myriam Stoffen. Misschien herken je haar op dit moment niet, want je bent helemaal gekleed. Myriam, peut-être ne la reconnaissez-vous pas? Parce qu'elle est déguisée. Qu'est-ce que vous représentez, Myriam? We zijn bezig met de omkadering van de parade, maar de parade die fragiel is, moest natuurlijk ook op deze manier vertegenwoordigd worden. Dus wij hebben een kostuum dat tegelijkertijd heel strak is, een beetje futuristisch. Dus we gooien ons in de toekomst, maar tegelijkertijd is het fragiel en alles... dans l'avenir aussi parce qu'on parle de fragilité, donc tout craque, s'apprête à casser. Ou c'est cela que ça représente? Un détail extraordinaire, je ne sais pas si la caméra le voit. Vous avez une ouverture ici dans la ceinture qui permet de mettre le GSM extraordinaire. Mais en tant que coordinatrice, vous en avez évidemment besoin. Vous êtes la directrice de cette Zinnike Parade. Le thème, on l'a dit, on l'a répété, c'est fragile. Il se trouve que la ville est devenue fragile depuis quelques temps. Est-ce que ce thème était connu avant et comment vous avez vécu ça? Le thème était voté après la parade de 2014, donc effectivement, ouais. Il y a un bon C'était presque prémonitoire. C'est-à-dire que c'est un thème qui est dans l'air du temps. Il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur le devenir du monde et tous les systèmes qui se frottent, qui se coincent. Des systèmes qui sont peut-être très dominants, mais qui cassent d'autres équilibres. Et il y avait beaucoup de questionnements autour de ça qui ont amené aux gens de voter ce thème. Alors évidemment, avec les événements récents, ça a pris une ampleur beaucoup plus importante encore. Et ça n'a fait qu'approfondir vraiment le travail qui a été fait par les Inodes sur cette thématique. Ouais. Et pour nous aussi, ça met une couche supplémentaire d'émotion et de profondeur sur le boulot. Évidemment, évidemment. Yasmina. Oui, nous allons poursuivre la discussion dans un instant, mais je dois interrompre parce que Margot a quelque chose à nous raconter. C'est un hoofd dans l'air. Je vind het ook wel fijn omdat het weer Nederlands en Frans door elkaar is in de titel. Et zoals je kan zien, hebben die dans l'air, ce mélange donc de français et de néerlandais, hoofd dans l'air. Vous voyez les dames dans le public qui sont ici depuis 3 heures pour voir passer leurs inodes et sont ravis de les voir passer. Et un peu plus loin encore, hoofd dans les nuages. Nous sommes toujours avec Myriam Stoffen qui est la directrice. C'est un peu pompeux de dire directrice, ça ne va pas avec Zinnike Parade, je trouve. Vous êtes vraiment une directrice? C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on veut dire avec directrice. Oui. Ça veut dire... Ça fait sérieux. C'est-à-dire, si ça veut dire quelque part porter la vision et porter le regard vers où on va et porter tout ça, c'est... Oui, je prends. Mais we moeten toch toegeven, er zijn heel weinig directrices, denk ik, die zo gekleed gaan. Il y a peu de directrices habillées ainsi, malheureusement. Als je probeert mensen mee in een verhaal te nemen, dat je het zelf ook helemaal te gronde moet doen. Bon, je pense que si vous voulez emmener des gens avec vous, il faut faire comme eux. Komt de volgende groep eraan, hoofd en lijn, wat ik heel leuk vind. Groep suivant arrive. Hoofd en l'air. Hoofd en l'air is net voorbij. Hoofd en l'air vient de passer. Ah, excusez-moi, je confonds. C'est In de nuages qui s'approche. C'est presque la même chose. Oui, c'est pas moi, c'est l'ancienne. Vous êtes pardonnée, Yasmina. Moi, j'ai quand même une question aussi, Myriam Stoffen. On parlait de la difficulté, de la fragilité de Bruxelles en ce moment. Il a été question de mettre cette inode à Molenbeek. On en a parlé tout à l'heure avec le président à un moment donné. Puis cette idée a été oubliée. Comment vous avez, je dirais, négocié l'aspect sécuritaire? Il faut bien en parler à un moment donné. C'est-à-dire que les questions de sécurité, on les a traitées en profondeur avec tous les services de la ville. Et on a pris vraiment beaucoup de temps, des heures, vraiment en regardant détail après détail de comment nos systèmes d'encadrement fonctionneraient et comment les améliorer, comment bien les faire dialoguer. Et donc c'est plutôt un système qu'on a cherché à rester le plus ouvert possible, mais en prenant en compte toutes les mesures de sécurité qui sont nécessaires. Vous ne vous êtes jamais dit « on laisse tomber, c'est fini » Non, jamais.
Il n'y a jamais été question de ça à un moment. Non, tant qu'on n'était pas au niveau 4, ça aurait été effectivement une annulation du projet et la performance. Mais tant qu'on n'était pas dans ces conditions-là, non, non, évidemment que non. Ja, de zielige parade, die moet altijd doorgaan. De parade, elle doit continuer, nous dit Myriam. Même quand il fait très mauvais temps. C'est dur avec la musique. We zullen misschien even luisteren. Je propose qu'on écoute. Question, Myriam, avant de vous laisser repartir. Quel soleil! Après le déluge de la dernière édition, je pense que nous méritons du beau temps pour 10 ans. Et puis je pense que tous les participants, tous les artistes ont invoqué leur vaudou, on a envoyé des œufs. À Sainte-Claire, etc. Si bien que tous les nuages ont disparu. Voilà, Myriam Stopp, profitez-en bien. Ensuite, Muriel, puisqu'on va replonger dans cette zineque qui est assez incroyable cette année, Muriel, et dans une, figurez-vous, une géode. De quoi s'agit-il, Muriel? Eh bien, David, je ne vais pas parler trop fort parce qu'ici, il y a beaucoup de silence et donc c'est vraiment l'importance pour cette zineute qui est une zineute un petit peu particulière. On n'est pas dans la parade, vraiment, on est un petit peu sur le côté. Et c'est une zineute statique, donc elle ne bouge pas. Et pour cause, vous voyez que c'est toute une construction qui s'appelle en effet une géode. Et les spectateurs sont invités à y entrer hein, toutes les quelques minutes. Ils y entrent et puis ils sont spectateurs d'un phénomène très particulier qui se passe à l'intérieur. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que les personnes qui participent à cette zineute sont des personnes âgées, comme quoi il n'y a pas d'âge hein, passé, monsieur, pour participer à la zineque parade. Et en fait, il y a beaucoup de monde qui va passer là parce que c'est le moment où les gens sortent et d'autres personnes vont rentrer. On va rentrer en même temps et je reviens dans quelques minutes. Oui, oui, on va vous retrouver bien entendu, Muriel, au sein même de cette géode qui est une partie tout s'envole ici. C'est incroyable, il y a du vent, hein, mais il fait beau. Et on va remercier Myriam Stoffen parce que vous avez beaucoup de travail. Merci beaucoup Myriam d'être passée sur ce bus Bruse BX1. On va rejoindre dans quelques instants, je le disais, Muriel qui est dans la géode. Vous pouvez aller la voir hein, si vous nous entendez. Elle n'est pas très très loin finalement, juste derrière chez nous, dans le, devant le bâtiment Pathé Palace. Donc nous sommes en face de l'ancienne Belgique. Tout est proche finalement ici. Yeah, on est tous proches, non? Oui, tout est proche, tous. Nous sommes tous proches. Et ici, à côté de nous, une zineute de Molenbeek. Beaucoup de personnes sont venues de Molenbeek d'ailleurs. On a envisagé de faire passer la zineque parade à Molenbeek et puis on a décidé de regarder quand même le centre qui est l'endroit habituel pour la zineque parade. Si vous avez envie de passer, nous sommes là jusqu'à 17h30. Et puis sinon, suivez-nous sur Bruce et BX1. Voilà donc boulevard en SPAC entre la place Brouckère et la place Fontenas. Et puis, il se passe aussi beaucoup de choses dans les petites rues parallèles. Oui, donc derrière moi, une de nuages traverse les rues. C'est très poétique, en fait. Alors, de quoi s'agit-il? On parle de soleil, de lune, de nature, et tout cela est symbolisé dans cette ou par cette zinode. Et puis, la musique aussi est très agréable. Une zinode de Neder-Overheembeek. Rejoint une de nuages, beaucoup de sons, beaucoup de couleurs. C'est merveilleux, comme vous le voyez d'ailleurs depuis le bus. Ici, au milieu, vous voyez le soleil. C'est Jamal. Jamal représente le soleil. Alors,
Alors, vous savez ce qu'on va faire, Yasmina? On va se taire, on va s'effacer. Muriel est dans la géode, je l'ai dit tout à l'heure, et le spectacle est en train de commencer. Muriel, décrivez-nous ce qui s'y passe. Donc, je vais parler vraiment tout doucement parce qu'en principe, on ne peut pas parler quand on fait partie du public. Mais donc, vous voyez, tous les participants nous interpellent, sourient, dansent. Au départ, ils avaient les yeux fermés et puis tout à coup, ils se sont éveillés, et éveillés à la vie, on peut dire. Hein, et alors, se sont mis à danser autour de nous. On a l'impression d'être... voilà. Voilà, c'est un côté comme ça très mystérieux. On a l'impression d'être dans un autre monde, hein, à l'intérieur de cette géode. On n'est plus du tout dans la Zinnöcke Parade. Je vais vous laisser apprécier le spectacle et le silence. Natuurlijk een beetje relatief, want oui, le silence, c'est très relatief, évidemment. Le synode, les vieux rêves sur le boulevard Anspach, où 22 synodes vont passer, des synodes très brillantes pour la plupart. Voilà, mais maintenant, vous savez ce qui se passe dans ce jardin secret de la synode, les vieux rêves, des hommes, des femmes d'un certain âge. Mais apparemment, le silence existe aussi quand on entre dans la géode. Le silence et puis la musique, c'est ça qui fait toute la variété de cette Zinnöcke Parade. C'est que, ouais, on entend les tambours là derrière moi. J'ai même parfois du mal à vous entendre, à parler au-dessus de cette musique. Il y a énormément de percussions. La percussion, finalement, c'est l'instrument le plus facile, le plus festif pour donner le rythme de cette Zinnöcke qui est finalement un défilé dans les rues de Bruxelles. Et il y a des tambours, mais il y a aussi des sonnettes. On va les écouter.
c'est émouvant, le groupe qui vient de passer, Arteria. Ce sont des élèves de l'Institut de Croatie, de l'enseignement spécialisé. Ils travaillent avec Kiss PQ, qui est un groupe de percussion brésilien qui est venu tout exprès à Bruxelles. On peut décrire ce que c'est Arteria, comme son nom l'indique, parce que c'est les artères. Vous avez vu le ballon, les ballons rouges au début qui représentent le cœur, et puis les instruments derrière qui représentent les pulsations de ce cœur avec tous ces cœurs, toutes ces artères qui font pulser le cœur de Bruxelles finalement. Oui, en effet, mais qui est encore plus proche que nous de ce groupe merveilleux Arteria, c'est Margot. Ik heb hier nog wat mensen weggeplukt bij In de Nuages, Sylvie. Je suis d'abord en présence de personnes du groupe In de Nuages, Sylvie et Jamal. Jamal, le soleil. Is het waar, Sylvie, vertel eens, dat is iets bijzonders, hè? Jamal kon niet altijd zomaar naar de ateliers gaan. Jamal n'a pas pu se rendre à tous les ateliers de Zineke. Donc, c'est vous qui l'avez emmené. Oui, c'est la sixième fois que Jamal et moi participons ensemble. C'est tellement gai à faire. Tous les deux ans, nous participons aux répétitions jusqu'au jour de la parade. Est-ce que des gens du voisinage viennent vous voir? Les parents de Jamal? Non, la maman de Jamal est fort malade, donc c'est difficile. Mais nous faisons des photos aux répétitions et chaque fois en rentrant, on leur montre les photos. Bon amusement, Jamal. Vous êtes le soleil au ciel aussi. Non, votre zinode est déjà un peu éloignée. Je vous laisse aller les rejoindre. Oui, nous rentrons dans les nuages. Merci, Jamal et Sylvie. Merveilleux, la voisine qui emmène le voisin aux répétitions. Et les voilà partis pour aller rejoindre leur synode. Margot qui va descendre du nuage, de ces nuages qui sont pas nombreux finalement dans le ciel qui est autour de nous, au-dessus de nous, et tant mieux. Ce sont des faux nuages, tout est faux, mais tout est vrai. C'est assez émouvant en fait, cette zinogue, non? Oui, vraiment émouvant, mesdames et messieurs. Et à la télévision, je suis sûre que les images sont belles, mais quand vous êtes ici sur place, même si la journée d'aujourd'hui est vraiment chaude, j'ai la chair de poule, tant c'est beau, tant c'est émouvant, cette collaboration. Le groupe Al-Oudou avec ces espèces de... comment décrire en fait, quoi. Il y a énormément de couleurs, ils sont en train de nous faire signe, ils sont juste au pied du bus Bruce BX1. Al-Oudou avec une structure en métal assez étrange qui rappelle aussi une certaine fragilité. La révolution révolutionnée, Muriel d'ailleurs va peut-être nous décrire un petit peu ce qui s'y passe et lié au cœur. Alors David, vous savez que j'ai toujours rêvé en fait d'être au milieu de la Zinoke Parade, d'être sur un char et tout, ça y est, j'y suis après autant d'années, j'y suis parvenue. Et donc je suis effectivement sur le char de cette Zinode Al-Oudou. Qu'est-ce que c'est Al-Oudou? Al-Oudou en arabe veut dire tranquille, calme, relax. Et donc comment est-ce que vous avez imaginé ça sur cette structure? Alors on a travaillé avec des cours d'alphabétisation, on a travaillé avec l'espace Milo à Forêt. Et cet espace a été conçu pour recevoir en fait toutes sortes de personnes, à la fois des enfants, des mamies. L'idée c'était vraiment de mixer un public vraiment différent. Ouais, donc c'est vraiment un projet intergénérationnel. Exactement. Et vos costumes, qu'est-ce que ça représente? Des grandes bouches. On est des grandes bouches et on avale le monde. Et on vient revendiquer des choses et on vient dire des choses. Quel genre de choses? On soulève les appartements, on déchiquette la viande hachée, on bouche toutes les bouches d'égout, tout l'imaginaire de ce que chacun a envie de dire et d'exprimer. Donc vous êtes tout sauf fragile en fait ici. On est... Notre fragilité, elle vient avec le public avec qui on a travaillé, pardon. Et vous faites interagir le public, là vous l'interpellez le public? J'ai pas entendu. Vous interpellez le public? Et on interpelle le public et on vient avec notre grande bouche, on vient avaler les gens, on vient créer des espaces vraiment internes avec des vrais face-à-face.
Bon, ben, j'espère que vous n'allez pas m'avaler. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais descendre de ce pas de votre char qui est vraiment, qui a été superbement bien conçu. Et je vous laisse poursuivre le parcours. Et je pense qu'on va retrouver Yasmina qui est quelque part d'autre dans une autre zinode. Muriel, kom daar maar snel vanaf dat die monden jou niet mee opeten. Oui, Muriel, descendez qu'on ne vous avale pas. Voilà, c'était Aloudou, collaboration entre différentes écoles. Le quartier durable Antoine Dansart, Wills, le centre de musique et d'éducation, l'Athénée Royal Victor Horta. Donc de nombreux groupes qui au départ n'ont rien à partager les uns avec les autres, n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui pendant un an et demi travaillent ensemble pour produire ces merveilleuses créations. Et puis notre styliste de Bruce nous le disait tantôt, c'est vraiment un travail difficile et intense pendant un an et demi. Il y a le pot de fer go. On dit pot de fer go, mais on est... je ne sais pas si je peux le dire d'ailleurs, c'est une injure. Oui, tu peux le dire. Mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est pot de fer go. Hein, et c'est une sorte de jeu de mots sur cette inode qui est en train de passer à côté de nous. Remarquez le décor aussi assez incroyable, ces rondes, ces costumes de nouveau qui rappellent le costume un petit peu officiel avec un peu de fantaisie, ces étoiles dorées qui sont au-dessus de leur tête. On va demander des explications à Margot qui est avec un des membres de Pot de Fer Go. Inderdaad, bij mij staat hier Tom van Pot Vergo. Oui. Wat gebeurt er? Tom de Pot Vergo, que se passe-t-il? Eh bien, quelqu'un a attrapé la floche. Quelqu'un a pris la floche. Et ils vont réaliser leur rêve, réaliser ce dont ils ont toujours rêvé. Eh bien, ils vont le réaliser sur le podium, là, sur notre podium. Et donc, il y a ici un escalier pour monter au podium. Et tout le Pot Vergo ont réalisé un exercice. Et finalement, ils sont transformés. Ils vont enfin faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, ce qu'ils n'ont jamais osé faire. Ils vont le faire aujourd'hui devant 10 000 personnes sur le podium. Voilà, quatre femmes, je sens qu'elles sont presque prêtes. Quatre femmes vont faire vraiment leur rêve. Ce dont elles ont toujours rêvé, ça peut être n'importe quoi. Tom, les quatre femmes sont prêtes. Tom va les annoncer. Pot for go. Een grote tovertruc uithalen, denk ik. Iets met vier vrouwen en een podium. Grand tour de magie, quatre femmes sur un podium. Vous avez vu l'escalier. Ils avancent, on ne voit plus très bien. C'est intriguant, aussi intriguant que la boîte noire de tout à l'heure. Ils sont à l'arrêt. Peut-être bien que cela va s'ouvrir aussi. Les draps rouges, quels beaux matériaux. Tom blaast op de horen. En iedereen wordt stil. Een grote aankondiging. Tom va faire son annonce. Il libère le podium. Et lentement, le rideau se lève. Les voilà, quatre femmes qui réalisent leur rêve ici, aujourd'hui, à la Zinnecke Parade. En ce jour ensoleillé. C'est magnifique ce qu'on vient de voir, c'est toute l'imagination de Pot Fer Go. On peut peut-être signaler hein, d'où ils viennent, qui sont les partenaires, parce qu'il y a les centres culturels qui sont là, les écoles aussi. Ici, c'est le centre culturel l'Espace Sangor, la maison de jeunes Chambéry, le centre culturel le Malbec aussi. Ils sont plusieurs. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'autour des Inodes, derrière les Inodes, dans l'ombre des Inodes, il y a tous ces centres culturels, tous ces quartiers qui travaillent depuis des mois. Ja, absoluut. Anderhalf jaar hebben ze allemaal samen pendant un an et demi, ils ont travaillé tous ensemble. Et c'est ça qui est merveilleux à la Zinnecke Parade. Des artistes aussi venus du monde entier, de Bruxelles, des alentours de Bruxelles, des organisations sociales, des écoles. Tout le monde peut participer. Tantôt, par exemple, nous avons vu un groupe qui rassemblait des demandeurs d'asile dans l'atelier où les costumes ont été confectionnés. Il y avait
des mamans, des personnes sans papier. Et les costumes qui sont sortis de là sont merveilleux. C'est ça, la Zineke Parade. Parce que la Zineke Parade, ce n'est pas une Zino, deux Zino, trois Zino. Non, c'est 24 Zino de cette année. Elles défilent tous sous nos pieds. Il y a de nouveau une nouvelle Zino très originale qui est avec nous. Et Muriel, l'intrépide Muriel, tout autant que Margot d'ailleurs, est avec nous pour la décrire. Muriel. Oui, David, je vous avais dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de barrière nadar. Bon, là maintenant, on a quand même installé un fil blanc et rouge là parce que le public est arrivé de plus en plus nombreux et on le comprend hein, parce qu'il y a une ambiance du tonnerre ici et qu'en plus le temps est de la partie. Madame, qu'est-ce que vous pensez de cette Zineke Parade ? Je trouve que c'est très bien, très créatif. Les groupes font preuve de beaucoup de créativité et c'est aussi très amusant. Tout le monde participe. Pour moi, très bien. Ouais. Donc le public était invité aussi hein, à participer. Oui, les enfants. Et aussi dans les groupes, il y a toutes sortes de gens, aussi, les handicapés aussi. Hein. Donc c'est bien. Hein. Oui. D'ailleurs, vous voyez hein, qu'on nous interpelle ici. Hein, c'est le groupe des permutants. Chaque zinode est comme une petite pièce de théâtre qui nous est racontée. C'est ce que vous trouvez aussi ? J'ai pas compris votre question. Chaque zinode est un spectacle, une pièce de théâtre en soi ? Je sais pas vous dire. Moi, je trouve que c'est très bien. La créativité, très variée, beaucoup de nationalités. C'est vraiment Bruxelles. Ça vaut Bruxelles maintenant, je trouve. Après les attentats, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Hein. C'est un petit peu tous les groupes de Bruxelles se retrouvent ici. Hein. Donc ça, c'est bien. Alors oui. Ah bon, ja. Vanavond kom op tv en frietjes met een kilo's. En dank je voor iedereen. Voilà, donc ça c'est l'ambiance hein, qu'il y a sur cette parade. Hein. Tout le monde se parle, le public, les participants. Et donc ça, ce sont les permutants. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce sont ceux qui ont démarré l'émission. Ben voilà, maintenant, ils sont de retour sur le boulevard. Et ils m'ont l'air plus en forme que jamais. Et donc le public, effectivement, qui a voulu être là, nombreux. On parlait de cette ambiance un petit peu particulière après les attentats. Je peux vous dire qu'ici, c'est totalement oublié. On est tous là pour faire la fête. Ja, inderdaad, dat pakje frites met curryworst, ik zie dat ook wel zitten. Dus oui, des frites, comme disait monsieur, après la télé. Très bien. Et pour moi aussi. Ça nous donne faim, tout ça. C'est vrai que c'est long et pas long. On est bien, il fait beau, on a envie de rester encore. Et on a envie que ça dure, que ça dure. Ça passe tout doucement, mais ce n'est pas encore fini, loin de là, puisqu'il y aura la grande finale tout à l'heure aux alentours de 17h, un petit peu au-delà de 17h, du côté de la Bourse, qui n'est pas loin d'ici. Les applaudissements, vous le voyez sur cette image, c'est pour les permutants. Les permutants qui étaient effectivement au départ à la rue des Pierres, qui ont fait le tour, qui se trouvent sur le Grand Boulevard. C'est vous dire aussi qu'ils sont partout dans les rues et que... le cœur de Bruxelles bat vraiment avec toutes ces inodes. Ja, dat is fantastisch, hein, aan dit parcours. Oui, c'est ça qui est merveilleux sur le parcours. Et puis, les inodes ne font pas tous la boucle entière. Ils traversent des petites rues parfois. Voilà, le premier groupe, les permutants, repassent ici en raison de la petite boucle qu'ils ont faite. Et rappelez-vous, pour eux, la fragilité, c'était le fait d'être écrasé. Et voilà pourquoi les boîtes en carton. Voilà Margot. Non, moi je n'ai pas été écrasée encore, mais je suis très impressionnée par tout ce que j'ai vu aujourd'hui. La première synode réapparaît déjà. Bon, le parcours est différent pour les synodes. Donc il y a le grand parcours qui passe par le boulevard en spac et puis dans les petites rues, les synodes passent les unes et pas les autres. Voilà, et je pense que c'est maintenant peut-être que les permutants vont se transformer en animal, comme vous l'avez annoncé, dans une rue parallèle. Donc les spectacles un peu plus conséquents donc, se déroulent dans les petites rues parallèles et le grand parcours sur voilà, merci Margot, merci aussi à Muriel pour ce courage finalement hein, de plonger. Parce que nous on est bien là, finalement on est au-dessus. On est juste un petit peu dans le vent, dans les arbres, vous les voyez qui sont derrière nous, mais tout va très très bien, tout va même extrêmement bien puisqu'il fait beau. On se souvient
qu'il y a deux ans. Vous étiez, je crois, l'asile que était un petit peu humide quand même. Oui, il a plu si fort il y a deux ans. Il y avait du monde, hein, il y avait du public, mais pas autant qu'aujourd'hui, évidemment. Nous n'avons pas les chiffres d'aujourd'hui, nous ne savons pas combien de monde pour voir défiler la parade, mais nous le saurons et nous vous le communiquerons très certainement. Et visiblement, les personnes aujourd'hui ne se tracassent pas des attentats qui ont eu lieu à Bruxelles. Nous autres l'ont dit les uns après les autres, on n'a pas peur. Non, il y a de plus en plus de monde. D'ailleurs, on va peut-être s'écarter un petit peu pour regarder derrière nous, direction place de Brouckère, direction la Bourse, et puis la place de Brouckère. Devant nous aussi, partout, il y a de plus en plus de monde. Muriel l'a dit, des barrières Nadar ont été installées à certains endroits parce qu'il faut quand même, il faut quand même contenir ce monde et faire attention, rester bien évidemment prudent. Mais les gens sont bien, l'ambiance est bon enfant, hein, c'est l'expression. Vous connaissez cette expression bon enfant, on dit ça en français. Ça veut dire bon enfant, non. Bon enfant, ça veut dire tout va bien, hein, comme des enfants. On est bien. Voilà, moi je voulais bien ensemble. Vous êtes bon enfant. Bon enfant. Chill, oui. chill, chanson, chill, absolute. Nee, maar dat is ook echt wel waar, hè. Normaal gezien zijn ja, l'ambiance. De veiligheidsvoorschriften strenger te zijn, maar dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Normalement, les consignes de sécurité sont plus strictes. L'année passée, il y avait des barrières Nadar. Cette fois-ci, moins de temps en temps, il y a deux personnes qui tiennent un ruban blanc et rouge, mais c'est plus pour orienter le parcours, pour que les inodes sachent par où avancer. Mais le public peut vraiment toucher les inodes, s'approcher, danser, participer au spectacle. Chorégraphie. Regardez ce qui se passe pour l'instant à l'antenne, regardez ce qui se passe pour l'instant sous vos yeux. C'est une chorégraphie autour d'une échelle et tous ces enfants qui dansent, qui font des pas, qui ont été travaillés hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois également. Il y a les costumes et il y a la musique et il y a effectivement la gestuelle. C'est un spectacle complet. Muriel disait tout à l'heure que c'était comme des petites pièces de théâtre, mais c'est ça finalement. C'est même plus que du théâtre, si je puis dire. C'est un spectacle complet. Il faut rappeler que le théâtre est né dans la rue. Hein. D'abord, c'est quelque chose qui vient de la rue, qui vient du peuple. Et aujourd'hui, le peuple, au sens noble du terme, se réapproprie vraiment sa ville. C'est comme s'il avait pris les clés de la ville. Oui, inderdaad, dat is heel mooi gezegd, David. Oui, c'est bien dit. Van de stad hier vandaag aan de Zinnekeparade. Les clés de la ville ont été remises aujourd'hui à la Zinnekeparade. Vous voyez ici un autre groupe. Nous l'avons déjà vu précédemment, d'ailleurs. Harskor, qui fait référence à la sève et à l'écorce des arbres. Margot, oui, Harskor, une synode du Limbourg extraordinaire, qu'il soit venu jusqu'à Bruxelles pour montrer leur art. Bon, ça sent un peu la fumée, mais ce groupe est extraordinaire. Et les costumes sont si beaux. Et puis, ils ont un numéro avec cette échelle. Ils montent à l'échelle. Ils font toute une série de danses sur l'échelle. Moi, j'aurais peur. Bonjour, monsieur. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Je suis extraordinaire. Harschors. J'imagine que vous parlez de l'écorce des arbres. En fait, je n'entends pas vos questions. Et d'où vient le nom de votre synode? Harschors sont deux mots, hars et schors, van een boom. En onze sculptuur stelt eigenlijk de huid voor. Ce sont deux mots, la résine et l'écorce. Donc deux mots qui font référence à l'arbre. Et vous êtes venu avec un monstre. C'est un ours. Il est très fragile, mais très fort aussi. Vous venez du Limbourg. Comment est-ce que vous êtes venu à la Zinnekeparade? Oui, nous venons de Genk, mais nous participons depuis 2000. Depuis la toute première édition, nous sommes des Zinneke, nous aussi. Oui, les arbres sont fragiles, c'est vrai, parfois on l'oublie. C'est important d'y penser, oui, et aujourd'hui plus que jamais. Je vous laisse avancer, monsieur, sans quoi vos arbres vont partir sans vous. Merci, Margot. Tellement agréable d'entendre des Limbourgeois dire qu'ils sont Zinneke aujourd'hui. Puisque ces gens
vous l'avez dit, vient de Genk et d'autres inodes, d'autres participants viennent d'autres villes. Il n'y a effectivement pas que les quartiers de Bruxelles et ça montre vraiment que la Zineke Parade, bah, elle est bruxelloise, mais elle est aussi nationale et rêvons un peu, elle est internationale. Elle est à tout le monde. La Zineke Parade est van iedereen, want daar straks kon je ook al horen dat er een Braziliaanse percussion groep was. Tout le monde, tantôt, vous avez entendu parler d'un groupe de percussion brésilien qui est venu du Brésil pour participer aujourd'hui à la Zineke Parade. Alors, il est quelle heure? Je regarde ma montre, il est 4h37. Si ma montre est à l'heure, on est bien à l'heure d'été. On est bien à l'heure d'été. Ja, en dat betekent dus dat we binnen 20 minuten gaan weten wat de vijf thema's zijn die in die gouden envelop zitten. Les 5 thèmes. Maar nu gaan we eerst naar Muriel. Oui, alors ici on a l'Asino de Nola Olone et vous parliez de cet aspect international, on est en plein aussi dans l'international et on est aussi dans les époques différentes. Nola c'est comme Nouvelle-Orléans et Olone, One Love, One Nation. Et donc voilà, on passe de la musique du jazz de la New Orleans à la musique urbaine qui investit les rues, qui investit l'espace urbain. D'ailleurs je vais en parler avec Picho s'il veut bien me rejoindre. Venez Picho, alors on vous connaît. En tant que comédien, vous participez donc à cette zinode. Expliquerez-nous le principe de cette zinode. Le principe de cette zinode, c'est l'ambiance Nouvelle-Orléans avec un peu de hip-hop, de gospel, du jazz. Et on avait envie d'amener tout ça ici à Bruxelles. Donc voilà, c'est ça, c'est l'ambiance. Et on voulait garder, comme le thème, c'était la fragilité. On a tellement de difficultés en ce moment à parler d'amour. Donc nous, notre message, c'est l'amour, mais l'amour dans le sens universel, l'amour pour tout le monde. C'est pour ça que c'est One Love. Voilà. Et pourquoi vous êtes en move? Ça n'a pas de rapport avec le club d'Anderlecht? Non, c'est un rapport avec la ville de Nouvelle-Orléans, en fait. Voilà. La couleur de la Nouvelle-Orléans, c'est du mauve. Donc... Et c'est la folie, c'est le délire, c'est le cri, l'ambiance. Voilà, quoi. Tout le monde est ultra content de participer aujourd'hui. Exactement. Nous, tout le monde est là, la preuve. Tout le monde s'amuse, tout le monde sourit, tout le monde saute. Ouais. Donc c'est super génial. Et c'est vrai que votre zinode, eh bien, elle donne envie de danser. Voilà, donc c'est comment les pas, vous pouvez me montrer. Mais c'est Ipoun qui monte la danse. Allez. Ipoun, allez-y, montrez comment c'est les pas. Elle veut danser. Ah oui, attention, on fait les pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, suivez-vous. Ah bah voilà, mais voilà Muriel, quand vous voulez, vous voyez que vous pouvez danser, vous voyez que vous êtes en pleine forme, Muriel est de plus en plus, et Margot aussi d'ailleurs, est de plus en plus zinotiste au fur et à mesure que le temps passe, que les minutes s'égrènent ici sur les boulevards du centre. C'est bien Muriel de pouvoir danser. Nous d'ailleurs on est un petit peu... Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un... Qu'est-ce qui se passe? Il y a une case qui me manque, là je n'ai pas vu le bébé arriver. Nous avons trouvé le fan le plus jeune de la Zineke Parade de 2016. La petite Ola, elle est ravie. C'est normal, vous l'intimidez. Donc elle est intimidée, mais c'est sa toute première Zineke Parade. Parce qu'à la précédente, elle n'existait pas encore. On va lui donner au micro Bruce, on va lui donner l'autre micro. On va voir si ça fonctionne. Tenez. Deze Bruce proberen. Lieve schat. Reprenez votre micro. C'est comme ça, voilà. Elle grandira, elle comprendra. Peut-être qu'il faut prendre d'autres micros à un moment donné. Elle est toute mignonne. Onze kleine schat, maar kijk, wij gaan ondertussen nog een beetje kijken. On va rendre le bébé à sa maman qui n'est pas loin, je vous rassure, évidemment. C'est la Zineke Parade, c'est un petit peu la folie. On est tous en forme, en plus il fait beau. Les dieux bruxellois sont avec nous. Et la musique continue. Regardez ce pianiste, cette ambiance Nouvelle-Orléans qui passe juste au pied du bus Bruse BX1.
quelques notes de la Nouvelle-Orléans, quelques notes de piano. On voit qu'il y a tous les instruments, puisqu'on a vu tout à l'heure les tambours. Et maintenant, on voit ce piano, piano très festif, évidemment, puisque c'est la fête. Regardez cette danse. Hein. On parlait tout à l'heure de chorégraphie. Il y en a pour tous les goûts. On vous parlait de Brésil ici. On est dans le jazz, dans l'ambiance New Orleans. Et ça ne fait que défiler depuis des dizaines et des dizaines de minutes ici sur les boulevards du centre, avec chaque fois des surprises, des costumes et des invités aussi sur ce bus. Barbara Roman, bonjour, merci bonjour. D'être avec nous. Merci. On vous a sorti de votre géode où était Muriel tout à l'heure. Oui, voilà, je me suis extirpée pour mieux dire. Comment ça s'est passé? De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de petites performances de quelques minutes qu'on propose aux spectateurs on leur propose de nous rejoindre à l'intérieur, de participer, d'être juste spectateur ou de prendre part à ce qui se passe, et surtout de se laisser emporter par ce qu'ils voient et ce qui se dégage. Ce qu'ils entendent. Ja, inderdaad. Spreek je ook Nederlands, Barbara? Of nee, dat is geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Maar ik wil juist traduire wat je hebt gezegd. Dus Barbara is een van de groepen van de synode. Barbara participe à un groupe du synode et elle dit que ce qui est important, c'est que le public participe. Donc une improvisation faite dans l'interaction entre les synodes et les personnes, les spectateurs. Oui, ils sont très curieux. Ça les rassure quand je leur dis que c'est quelques minutes et pas plus longtemps. Voilà. Mais ils sont très curieux parce que c'est une petite bulle en fait. Donc oui, ça. Voilà. Petite bulle qui fait du bien quand même parce qu'il y a du bruit tout autour. Oui, hein. Eh bien, étonnamment, on arrive quand même à avoir cet effet bulle. Oui. C'est un peu étonnant, mais ouais. on se demandait si ça allait se passer. Ça fait du bien. On va d'ailleurs rejoindre tout de suite Margot qui, elle, n'est pas dans la bulle. Elle est en plein dans la fête, Margot. Ja, ik weet niet goed wat er hier gebeurt. Er is een grote man en die is net wakker geworden. Il y a un grand monsieur qui vient de se réveiller et tout le monde s'en court en criant. Le synode Jacques, des yeux noirs, des lèvres rouges. Et je pense qu'ils vont escalader ce grand monsieur, je ne sais pas trop comment. Va-t-elle le manger? En ze probeert te verstaan wat dat hij zegt. Elle essaie de comprendre ce qu'il a envie de dire. Prachtig gemaakt ook, ongelooflijk. Lizit ziet er levensecht uit. Quelle bonne idée. En ze zegt dat hij wil slapen. Ze viel er bijna af. Okay, alles is enorm gekomen. Heel veel torens op de Zinnekeparades. Ongelooflijk. Al die kinderen, nooit schrik. De man heeft gezegd, we gaan slapen. C'est impressionnant tout ce qu'on ose faire ici à la Zinnekeparade. Personne n'a peur. Voilà, et Jack se recouche pour dormir. Maar de mensen vinden het geweldig. Ik denk dat ze hier nog wel even gaan blijven liggen. Ze zitten hier goed. Ainsi que tous les autres membres de la Zinnekeparade. On a envie que ça dure, que ça ne s'arrête jamais. Margot, c'est magnifique, toutes ces scènes qui se passent, qu'on vient de voir, est assez exceptionnelle, je trouve. La géode, l'idée vient d'où, en fait? Comment ça a germé dans votre... J'allais dire dans votre tête, mais au-dessus de tout ça. Parce que vos cheveux germent. Mais au départ, en fait, moi, j'avais envie de travailler avec des personnes plus âgées. Ça, c'est une affection bien particulière sûr. Que j'ai. Je voulais faire quelque chose qui ne déambule pas. J'ai proposé ça à la Zinoque parce que on n'allait pas déambuler 3 heures déjà. Ça, c'est très pratique. C'est après trop longtemps. Ouais. Et c'était l'idée de faire des performances et de travailler sur quelque chose où on se pose ensemble. Voilà. Want inderdaad, ja, Barbara zegt net hè, dat er een van de synodes die blijft oui, gewoon Barbara stilstaan. Dit, en dat zijn de oude synodes qui reste donc immobile. C'est le synode de les yeux rêves. C'était une idée de Barbara de mettre des personnes un peu plus âgées dans cette capsule pas très loin d'ici. Une capsule qui est en fait comme une petite oasis, un jardin secret. Sans quoi, pour ces personnes-là, ça aurait été trop difficile de défiler pendant 2 bonnes heures. Rejoindre. Les participants? Les spectateurs ou les personnes âgées? Les personnes âgées, les participants. Non, c'était pas difficile. En fait, parce qu'on a fait vraiment de proche en proche. On n'est pas allé par des structures. On a cherché du côté de nos familles, et puis les amis, et puis des amis d'amis, et puis un système de mail. Et puis voilà, ce sont des personnes qui étaient intéressées, qui étaient curieuses. Il y en a même une là-dedans qui voulait juste donner un coup de main pour les costumes et qui finalement se retrouve dans la performance. Et voilà. Alors c'est vrai que c'est une performance qui ne bouge pas. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les autres performances, on vient de voir d'ailleurs le piano, ne bougent pas toujours. Hein. Il y a des étapes dans ces inodes et c'est ça qui fait tout le sel de ces inodes, c'est que ce sont des histoires où on déambule,
on raconte, on s'arrête, on fait quelque chose, une action, une scénette, et puis on redémarre. Et voilà. Et c'est une dinote qui avance comme ça dans la ville depuis la place Fontenas jusqu'à De Broeckère. Ja, inderdaad, het is een parade, maar het is geen klassieke parade. Oui, c'est une parade, mais pas une parade ordinaire, pas une parade classique où les gens dansent tout le temps, comme la semaine passée, la Gay Pride. Bon, c'était extraordinaire aussi, mais différent. Non, ici, ce sont des petites pièces de théâtre, des phases différentes. Oui, exactement. On a parlé des personnes âgées qui étaient chez vous, mais il y a aussi des tout, tout petits. Margot, je crois que vous êtes avec un petit garçon. Yeah, allô, comment ça va? Oui. Ça va bien. On est en train de faire une parade. Et c'est nos patrons qui s'appelle Jacques. Et c'est un petit peuple de Jacadi. Et maintenant, on est en train de faire une parade. Dans le parade. Ok, mais tu dois aller, tu dois avancer. Elle vertelde dat Jack. Bye bye! Salut, salut! Dat Jack de grote baas was. Die zei. Hadden que Jack était donc leur grand patron, mais ils doivent avancer. C'est comme ça. La Zinneke parade. Donc, Jack, la Zinode qui nous quitte à l'instant. Où est-ce que c'est avec Jack à sa tête? Eh bien, ici, je suis à côté d'une Zinode qui est une Zinode un peu particulière quand on parlait de ce thème de fragilité, de l'actualité qui nous rattrapait. On est un peu dans ce cas-là aussi avec la grève dans les prisons. Ici, cette zinode s'appelle les parloirs. Et donc, la particularité, Monsieur Simon, hein, c'est comme ça qu'on vous appelle, c'est que vous avez créé cette zinode avec des prisonniers. Oui, exactement. On a fait les ateliers ici à Bruxelles et en parallèle dans les deux prisons de Beckendal pour les femmes et d'Andenne pour les hommes. Et comment ça s'est passé la collaboration, puisque les prisonniers ne pouvaient pas sortir? Non, ils ne pouvaient pas sortir. On est rentrés quelques-uns dans la prison, pas tout le monde, mais certains ont rentré dans la prison pour mener les ateliers avec les prisonniers et prisonnières. Et donc ça veut dire que le char que l'on voit derrière nous a été créé à cette occasion? Toutes les idées, les mouvements, les paroles, le dessin du char, c'est fait avec les prisonniers et prisonnières. Donc on porte le geste et la parole aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la grève dans les prisons, on peut avancer, hein, malgré la grève dans les prisons, les prisonniers ont eu l'autorisation de regarder BX1 aujourd'hui. Et de voir la Zinneke Parade en direct, de voir pour la première fois le char, et vous avez un message pour eux. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes 25 à défiler, mais réellement, nous sommes 60. Les autres personnes sont détenues dans les prisons de Beckendal et d'Andenne. Une petite partie d'eux est avec nous aujourd'hui à tisser des liens dans les rues de Bruxelles. Nous portons le mot et le geste. On profite de cette occasion pour leur envoyer un message personnel. Chers détenus qui avez participé aux ateliers Zinneke, on pense à vous. Vous êtes avec nous. On vous envoie beaucoup d'énergie positive à vous et à toutes les personnes privées de liberté. On sait que c'est particulièrement dur en ce moment avec la grève. Et j'ai le témoignage d'un détenu. Ma situation actuelle n'est pas terrible. Je suis arrivé au bout de ce qui est tolérable. Pas de visite, pas de préau, pas de cours, pas de travail, pas de linge, pas de vêtements, pas de draps. L'hygiène en général, la douche, c'est selon le bon vouloir. Où est la démocratie? Nos droits sont bafoués. Il faut être sur le terrain pour le croire. Ce qui se passe pour le moment, c'est grave. Et aujourd'hui, notre Zinode a envie de vous dire, vous le public, vive la rencontre, vive la complicité, vive la découverte, vive l'authenticité, l'autonomie, l'énergie et l'intégralité de chaque être humain. Vive les prisonnières de Beckendal et les prisonniers d'Andenne. Vive la fin de leur souffrance. Vive notre projet commun. Et l'ouverture que nous avons apportée l'un à l'autre. Vive les liens tissés et abat les murs maîtres.
Voilà, ce sera le mot de la fin pour cette Zinod. Merci pour ce message. Merci, Monsieur Simon, qui avait fait le lien entre les prisonniers et les participants aujourd'hui dans les rues. Et donc, nous aussi, on leur passe ce message et on continue à parler de ce conflit, évidemment, dans l'actualité. David et Yasmina, vous voyez, c'est aussi ça, c'est parfois faire passer des messages, la Zinod Parade. Ja, echt een van de meest opvallende synodes van dit oui, jaar. Oui, un des synodes les plus touchants de cette année. Les parloirs s'appellent cette synode. Donc 25 personnes qui tournaient autour de barreaux. Eh bien, toutes ces idées avaient été conçues par des prisonniers de Birkendal, la forêt et d'Anden. Un message d'espoir apporté par ces personnes et d'encouragement pour les prisonniers. Ils vivent aujourd'hui une situation très difficile en raison de la grève dans les prisons. C'est vraiment très, très beau d'avoir le témoignage de ces prisonniers. Un moment émouvant qu'on vient de vivre, comme beaucoup de moments finalement. Il y a une émotion à la fois dans la joie et à la fois dans les thématiques abordées. On ne peut pas s'empêcher de penser évidemment à ces personnes qui nous regardent, qu'elles soient en prison, qu'elles soient défavorisées, etc. Bruxelles aujourd'hui montre aussi sa solidarité avec tout le monde finalement, et même à travers la fête, même à travers la création, même à travers des défilés qui peuvent paraître festifs, on peut faire passer des messages importants. Ja, absoluut. De Zinneke Parade 2016 est actuelle. Oui, la Zinneke Parade 2016 est plus que jamais dans l'actualité, comme vient d'en témoigner le groupe Les Parois, qui représentait les prisonniers de Birkendal, donc de Forêt et de Anden. Et puis, beaucoup de costumes ont été confectionnés par des mamans de demandeurs d'asile. Et c'est vraiment tout Bruxelles qui défile ici dans les rues, au propre comme au figuré. Et au milieu de tout ce monde, Margot. Oui, monsieur, ça fait longtemps que vous êtes ici, non? Ça fait une bonne heure que je suis ici. Et vous resterez jusqu'à la fin, oui, j'espère bien. Et c'est la première fois que vous venez? Non, pas la première fois. C'est une tradition? Non, pas vraiment, je viens quand je peux. Et pourquoi est-ce que vous aimez venir? Moi, j'aime beaucoup le folklore et c'est un peu un nouveau folklore. Qu'est-ce que vous appréciez en particulier? Bon, le folklore, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. C'est la fête populaire, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Tous les groupes sont beaux. Peut-être les deux personnes qui s'embrassaient. Et vous ne voudriez pas participer? Parce que vous êtes en tenue hors dehors. Ah oui, oui, moi j'aimerais beaucoup participer. Vous pouvez participer? Oui, 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 c'est possible. Mais je ne suis jamais sûre d'être présent. Allez, monsieur, et dans deux ans, je viens vous cueillir dans votre synode. J'espère vous voir participer dans deux ans. C'est vrai que j'aime aussi jouer de la musique. Je joue du piano, de la guitare. Voilà, monsieur, vous avez toutes vos chances. Ik ben hier gewoon de mensen aan te zetten om mee te doen. David, dat moet ook kunnen. Merci Margot. Alors j'ai à côté de moi une personne qui s'impatiente, elle s'appelle Yasmina, elle n'est pas seule à s'impatienter parce que regardez ce que j'ai dans les mains. Yeah. Yasmina, est-ce que vous allez résister encore longtemps? Oh, echt waar. Het is eindelijk tijd. We gaan de enveloppen kunnen opendoen met de vijf thema's voor 2018 waar u voor kan stemmen zometeen. Les cinq propositions de thème pour 2018. Déchirez, déchirez. Attention que tu ne déchires pas le papier avec les thèmes. Trop tard. Oké, hier zijn de thema's voor 2018, waar u op kan stemmen straks via Bruxelles.be. Vous pourrez voter sur Bruxelles.be. Thema's. Alors, nous avons donc les 5 thèmes pour lesquels vous pourrez voter à partir de 17h ici et puis sur les sites. On rappellera la date, c'est jusqu'au 12 juin. Est-ce qu'on les dit? Vous commencez? Ok, on y va. Ok. Donc, on a le choix. Alors, je commence. Le premier thème. Autre. Je traduis bien? Oui, parfait. Le deuxième thème, c'est détour. Omweg. Le derde thème is
Horizon. Horizon, in tweetalig. Hein? Voilà. Le quatrième thème, c'est illégal. Illégal, het vierde thème. Et le cinquième thème, c'est pause, avec pause. S en français. Et Z en néerlandais. Voilà. Donc, we hebben andere omweg, horizon, illégal en pause. Daar kan u op stemmen vanaf nu. Les cinq thèmes parmi lesquels vous pouvez choisir votre préférence sur bruse.be. Décision le 25 juin. 25 juni, dan wordt bekendgemaakt welk thema het wordt. Nous annonçons le thème de la Zinnike Parade 2018.